Allez, voilà, on est enfin de retour après la petite pause. Et on va revenir avec cette fois-ci la webcam qui n'a pas freeze. Formidable, la technologie ne s'arrête plus. Eh bien, bonsoir à toutes celles et ceux... Le petit rire d'Emeric en fond, toujours très agréable. Merci donc à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live pour vivre cette première partie de gameplay. On est donc sur Assetto Corsa ce soir. Je rappelle que c'est la nuit des abonnés et que si vous me voyez regarder un petit peu à côté en parlant, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste que je dois régler un petit peu tous les tenants et les aboutissants techniques de ce live. Alors, on est ensemble sur Assetto, on va pas traîner à chercher une course en ligne, mais on va d'abord quand même vérifier les sessions en décochant les serveurs où il y a des contenus additionnels. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes sur le jeu, messieurs? Pas pour maintenant. Non. Okay. Je récupère de mes 500 bornes là. Ok, ça marche. Je lirai les messages des gens comme ça au moins. Ça marche. Alors du côté d'Assetto Corsa, on va démarrer dans quelques instants le jeu. Je vais quand même vous ajouter ça pour que vous puissiez voir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. C'est bizarre ça. Pourquoi je ne peux pas vous montrer le launcher d'Assetto? Je pouvais la dernière fois. Ma foi. Bon, écoutez, on va pas se tracasser de ça. Ça n'est pas grave. On va attendre un petit peu. Alors au niveau des serveurs, qu'est-ce qu'on a de disponible? Est-ce qu'on te dit, tu vois quelque chose? Je suis dans le temps de chargement. Moi aussi. Ah là là, terrible. Je finis de déguster le délicieux mets. Arsène Neville qui nous fait une belle pause toilette. Mais c'est atroce ce live, les gens mangent, les gens vont aux toilettes, c'est horrible. Bah écoute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo dans les serveurs? Alors, on a du Red Bull Ring. Alors qu'on a le retour de l'un de tes... Oui, Temano qui est revenu. Temano qui est revenu après 65 ans d'absence sur les lives. Formidable. Formidable, Temano. Bah écoutez, on a un serveur qui est là et qui, à mon avis, ne demande pas de... Ben non, ne demande pas de booking. En tout cas, ne demande pas de password. En tout cas, je ne peux pas vous copier le nom du serveur, mais normalement, on pourrait y accéder. Non, il est plein. Alors, c'est un peu difficile. C'est de la Ferrari F2015. Visiblement, ce serait sur le Red Bull Ring avec 7 tours et 16 minutes de qualification. Ça pourrait être sympa. Je vais voir si je peux déjà rejoindre le serveur. Oui, effectivement. Donc, ça s'appelle F1 2015. Je vais vous le noter quand même. Oh, j'ai vu la vidéo du crash de Thierry Neuville à Ypres. Ah, il s'est planté? Oh la vache! Violent même. Hop, attendez, je vous mets bien. Voilà. Comme ça, vous avez le nom du serveur sur... le nom du serveur sur le chat du live de YouTube et vous n'avez qu'à le rechercher dans les... Alors c'est pas une barre, c'est pas un slash, hein, c'est une barre verticale, mais c'est acetocorsa.de/8FerrariF1 2015ACR et j'ai été kické. Bah comme ça c'est encore mieux, hein. Toujours le plaisir de se retrouver. Donc n'allez pas sur ce serveur évidemment, puisque évidemment on est tellement sympathique entre simracers que on ne met pas que c'est verrouillé et on ne met même pas de mot de passe et ensuite on kick les gens une fois qu'ils sont dedans. Très sympa. Alors on avait déjà beaucoup galéré à la dernière fois sur Assetto. C'est toujours très sympathique d'aller venir faire des courses en multi sur ce jeu puisqu'il n'accepte pas les gens. Hein. C'est toujours très sympa. Alors. Hop. Je peux même pas trier par client. Non, mais le jeu est planté, c'est une blague. Assetto Corsa, le pire jeu du monde, sans déconner. Assetto. Oh, le pire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, ah bah non, voilà. Il a raison, il y a pire. T'as Xanou qui dit justement, tu as vu l'accident de Neuville? Oui, oui, ben. Bah non, moi j'ai pas eu le temps de voir du coup. Je peux pas mettre de lien sur YouTube. Non, mais t'inquiète pas. Mais c'est de toute façon Neuville. Ah, mais bien comme il faut. Je peux même pas trier par client, vous êtes sérieux? Oh! Voilà, merci. C'est moi ou ça rame de ouf le jeu? Oh, c'est atroce. Des modes aussi qui font que. Non? Non, pas fort. Bah, non. On dit mais 4 ans pour démarrer son... J'ai de la Formula Tatus à Monza. Ma foi, ça peut être sympathique. Il y a de la McLaren P1 également. Alors attendez, je vois qu'il y a du DTM classique. J'essaie d'entrer dans une session, il y a déjà des gens, mais regardez, il n'y a personne. Quand je trie par client, c'est-à-dire par joueur, il n'y a rien qui vient, quoi.
Voilà, enfin. Alors, une session à moitié pleine où on est en séance d'essai. Il y a beaucoup de practice, malheureusement, c'est un peu le souci. Hein. Ouais, il y a du circuit de la Sarthe en mode. C'est un petit peu dommage. Alors. On a Spa avec la Porsche. Ouais, non, c'est que du practice en fait. J'ai mis le lien sur le Discord, ceux qui veulent. J'ai de la Formula Tatus, mais ils sont déjà en course. Ça, c'est dommage. 8 tours de Zandvoort. Dans l'accident, l'agriculteur d'à côté sera content demain quand il découvrira les dégâts du champ. Ah, c'était clair. Ah, bah, il est labouré là. C'était... Ah, oui, d'accord, oui. C'était oui, il fait des tonneaux, mais. Très, très dur. Ah, Hydro, salut Hydro. Enfin, re, apparemment. Ah, rebonsoir Hydro. On a du GT sur Barcelone. GT3 sur Barcelone, ça peut être sympa. Ah, t'as Zoltan qui disait. J'ai perdu le lien. GT3. Abaddon, serveur GT3 presque vide. J'ai du GT3 en qualif à Monza ici. Voilà, mais ils sont en fin de qualif malheureusement. De la F138 en. Qu'est-ce qu'on a ? Au pire, on rentre dans une course, on attend la prochaine, hein. c'est pas important. Les Highlands. Il y a de la F4 à Zandvoort ou à Imola apparemment. Alors on pose la question, c'est quelle voiture sur le live, sur le LUV, enfin le live je suppose, la voiture qui est à ta gauche je pense. Ah, c'est une McLaren MP4 12C. Que j'ai honteusement volé. Ah, toujours ces moments, voilà, c'est pour ça que j'aimais bien faire les lives d'assez tôt en fin de soirée. Parce que c'est toujours ces périodes vides malheureusement qui sont un peu embêtantes mais bon. Truc qui n'a rien à voir mais Audi c'était bien les propriétaires de Ducati, on est d'accord. Le groupe Vague Ouais je pense. Hein. Bah, apparemment, parce qu'ils le revendent apparemment, Harley Davidson s'est intéressé. Bon, petites infos. Alors écoutez, moi j'ai quelque chose qui vient de me popper sous le nez, mais il y a déjà 3 voitures. L'équipage n'a rien suite à l'accident. Non, non, Xanou, tu les vois sortir de indemne de là. Alors, je vais vous donner le nom du serveur dans lequel je suis. Comme ça, vous allez voir. Alors, bonjour, ton avis sur le projet de carte 2. Ben, faut déjà y jouer. Voilà, je vous passe le serveur. Comme on dit au restaurant, lol. Ah ben voilà, je confirme pour sur Ducati 1, ce que j'ai entendu. Voilà, ça c'est le nom du serveur, simracing.com.org.uk GT3 Blancpain Round 8. Et on est en GT3, donc il y a au moins une voiture que vous avez. Normalement. Et on va voir sur un petit peu. Le Discord de Jeff. Le circuit est un mode. Pardon ? Le circuit est un mode, c'est Hungaroring, le circuit c'est un mode. C'est pas Monza ? J'ai cru voir Monza, ou alors j'ai pris celui du dessous, c'est pas impossible, hein, mais... Oh non, c'est bien ça. Il y a que celui-là. Oh là là, terrible. Est-ce qu'Aceto va passer à la trappe de cette libre antenne ? Aïe aïe aïe, je sens que... Est-ce qu'Aceto va dégager par manque de... par manque de volonté globale ? Tu cherches quoi en fait ? Alors en fait, je pense que toi tu cherches ton Becherel, ça c'est un début. Je cherche en fait à rentrer dans une course, si c'est possible. Mais visiblement, le jeu n'a pas l'air de trouver du contenu où on peut rouler ensemble, c'est toujours ça. Alors j'avais vu justement... Mais non, c'est pas ça. Alors je peux pas vous montrer malheureusement le groupe. Ouais, c'est un mode. Hein. On va sur F1... Bah, je crois qu'on va aller sur F1 2016, hein, que vous en pensez. Allez, quoi go. Là ouais, ouais. On live. On va créer un serveur et puis voilà, quoi, ou pire. On essaiera de retester peut-être à la fin du live. Oui, quand tout le monde sera couché. Ouais. Allez, c'est parti, F1 2016. C'est pas qu'on aime pas assez tôt, attention, c'est un bon jeu. Non, en fait, ouais. c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement plus personne sur les serveurs, à part pour les. Qui veut un centime, envoie Tom Petit. Il y a tellement plus personne sur les serveurs à part pour les ligues.
et les practices où t'as des mecs qui roulent pendant des heures et des heures. GT3 Fight sur Barcelone. Ah, mais t'es encore là, toi ! Oh là là ! Voilà. Excusez-moi. Ah, j'ai pas suivi. Non, non, mais moi, j'ai très bien suivi. Vous inquiétez pas, c'est les dessous du gaming, lol. Bah du coup, bonjour, je suis F1 2016. Bienvenue dans Formula One. C'est gentil. Welcome to Formula One. Alors, nos contrôles chim, évidemment, comme d'habitude, typical. J'ai encore 3 centimes si tu veux, Maxou. Oh non, non, parce que si vous faites un don de 3 centimes, ça va me faire 35 cents de frais, donc je vais être en négatif. Lol. Je plaisante, évidemment. Alors, est-ce qu'on a du multiplayer du côté de Andy? Je suis toujours prêt. Non, non, Hervé Lecomte, pareil, je peux créer aussi un serveur si y a possibilité. Alors, petite donation, merci beaucoup à Arthur qui a donné 4 euros. Voilà pour toi, Maxou, petite question. Derrière toi, ce sont des miniatures. Si oui, pourquoi ne pas en faire une vidéo spéciale pour les 18 000 ? Juste une idée. Alors, si tu veux voir l'entièreté de mes miniatures, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Room Tour, hashtag poussière. Comme je suis quelqu'un qui n'a absolument aucun respect. Hashtag, je m'en sers dès que je vois une miniature. Donc, effectivement, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dans ma chambre, en général dans ma pièce, il y a la vidéo Room Tour qui est dispo sur la chaîne. Voilà, comme ça c'est fait. Écoutez, Assetto Corsa, on va y revenir un petit peu plus tard à la fin de la soirée. Pour le moment, on va faire du F1 2016 parce que c'est un jeu que beaucoup de gens ont. Donc on va vous laisser un petit peu le temps, n'empêche, de switcher. Et on reviendra assez tôt, peut-être un peu plus tard si on retrouve un serveur. Mais là, on va pas se mentir, il est 23h, il y a beaucoup de monde qui vont commencer à partir. Donc si on veut vous intéresser premièrement avec ce qui se passe, on doit vous proposer du contenu. C'est un minimum quand même, parce qu'on va pas vous faire poireauter une demi-heure pour trouver une session sur assez tôt. Donc on va aller très vite sur F1 2016. Est-ce que notre ami Andy a trouvé de quoi faire une session ou pas encore? Tout à fait. Je peux vous annoncer qu'on est à 11 abonnements des 18 000. Ah! Et bien évidemment, abonnez-vous, bien entendu. Partagez, ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Vous, criez-le. Criez-le sur les toits, évidemment. Donc Andy va vous passer son... Je ne sais pas si tu peux encore. Si, je peux toujours. C'est la dernière fois, par contre. Hein. Non, j'ai plus trop pouvoir après, mais pour l'instant, je peux encore. Alors, hop. S'en fout. Je vais prendre quoi comme jeu de autre en ce moment en évitant les Assetto et projet de car? Bah, Race Room. Attendez, parce que là je suis voilà. En pleine. Vous pouvez rejoindre, je vais essayer d'envoyer des invitations aux gens qui sont en train d'être pas loin. Alors. Qui sont en train et non pas en bus, lol, MDR. J'ai honte de ce que je viens de dire. Alors, on va rejoindre. Cette blague est annulée. Ah! J'ai pas suivi, attention, on parle de Rossi dans le chat, attention hein. Attention hein. Non, je déconne, je suis objectif. Oui, bah oui. Non, si, j'aime bien Marquez, j'aime bien tout. C'est quoi, Fox qui dit ce drapeau belge qui fait tâche, mais il est très beau ce drapeau belge, arrêtez. Qu'est-ce qui dit ça? C'est bon. Le voilà. Meilleur pilote de moto, c'est Agostini. Oui, perso je mettrais Mick Doohan pas loin quand même. Barry Sheen aussi. Ouais, Barry Sheen évidemment. Et eh oui, où est Tim? Il n'est pas là, donc on fera sans Tim. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'humour. Alors, ça continue au niveau de la connexion. Alors moi, je rame un petit peu au niveau connexion. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai une bonne idée de pourquoi du comment. Et je vais aller tout de suite sur Steam parce que... Emric VR46 plus Rally égale blague ultime. Oh, attention, il a quand même fait la finale au Rally de Monza face à Sébastien Loeb. Hein. Oui, enfin c'est lui qui organisait quand même. Oula, ça coupe quand tu parles. Oh le mec, aucun respect. Je dis ça. Je dis c'est quand même lui qui organisait. Ouais, et puis il a fini dans le mur, mais. Ouais, il attaquait fort aussi. Hein. Bah, j'expliquais tout à l'heure aussi. Il a fait aussi un peu d'endurance avec une Ferrari
Yep, il a fait du championnat GT italien avec la... Oui. Avec la 458 à l'époque. Ça. McLaren devrait-elle arrêter avec Honda? Oui. De toute façon, ça va s'arrêter dans question de semaine ou de mois. Je suis fan de Biaggi. Ah, mais Biaggi aussi, j'aimais bien. Attention. Moi, comme j'ai dit, j'aime bien tous les pilotes. J'aime bien les pilotes, mais pas forcément leur comportement en dehors. Tu les rejoins, Hydro, pour de la bataille. Viens, Hydro, avec putain de plaisir pour être vulgaire. Enfin, depuis le temps. Il a pas pu la dernière fois, je crois qu'il était en train de bosser. C'est Emric qui parle tout de suite, c'est pas Andy. Hein. Moi, je ne parle pas tout de suite, vu que je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, je sais pas. C'est pas que je ne sais pas de quoi on parle, mais je m'y intéresse pas. Donc non, banlieue dangereuse, c'est alors, pas Andy, c'est Emric. Qu'est-ce que j'ai lu? Attends. C'est quoi cette invention de camembert, nous dit Edouard. Pierre Stoner est roulé sans assistance. Quelle année? Précise, parce que... C'est quoi cette invasion de camembert? Salut Skrez33, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Hydro qui taunte sur le chat mais qui ne vient pas, lol. Give me 5 minutes, allez, on va donner 5 minutes à Hydro, si pas il fera la prochaine. Mais bon, on est déjà pas mal là du coup. Hein. Nous sommes 8. Nous sommes 8 pour faire plaisir à certains. Stroll ne serait-il pas un cousin éloigné de Maldonado? Et il doit y avoir des gènes, hein. Il doit y avoir des gènes. Ah. Putain, je viens de voir Lens Stroll popper avec l'IA en dessous, j'ai eu peur, je crois que c'était vraiment... Pour faire court, après je parlerai plus de MotoGP. J'aime bien Rossi, mais je préfère le Moto2 au MotoGP. Et là je vais me faire taper, parce que c'est des motos sans assistance, sans ABS, sans rien. Des vraies motos, voilà. Ah, Stéphane qui n'a pas le jeu, ça n'est ni grave. Ah ouais, j'ai pas le jeu, McLaren... Ça a réparé, cher merci. Oula. M'en voulez pas, mais je vais muter tout le monde, hein, pour des simples raisons évidentes. Je sais pas si je peux me muter pour pas vous déranger, par contre. Alors, pour les gens qui ont rejoint F1 2016, ne vous mettez pas prêt tout de suite, parce que si tout le monde, enfin si la moitié des gens se mettent prêts, on part en grille. Donc attendez, on va y aller. Bougez pas, calmez-vous tous, on se calme. Tu non, F1 2010, c'est pas Andy, c'est Emric qui parlait. Et non, c'est pas hautain du tout, attention, moi j'ai l'esprit ouvert, j'aime bien parler de moto, donc... Attendez-moi, j'arrive. Ah, il y a Jonathan Reynaud qui d'ailleurs me spamme sur Snapchat. En passant. Sinon, je kick de la partie les gens qui mettent prêt, attention. Ah oui, on en est là. Ah oui. Ah, je suis un fou. L'homme sans respect, évidemment. Tu lui donnes du pouvoir dans les mains et... Alors, il y a Skres qui nous dit « J'ai une question, je suis passionné de voiture et je cherche un volant vers les 300 euros. Je ne sais pas lequel choisir. Thrustmaster T300 RS. » Très très bon choix. Camarade bon. Maxou, montre-moi ce qu'un Belge a dans le ventre. Oh non, mais on n'est pas là pour le... Pierre F13, on a plusieurs. Pas là pour le skin. Hein. Anthony Tourment, je trouve pas la partie. Alors, il faut, Anthony, ajouter notre ami Andy... sur son compte Steam et il a passé le lien un peu plus haut sur le chat si vous étiez avec nous et vous le voilà, il est là donc le compte officiel de Andy, vous le rejoignez et vous pourrez intégrer la session. Il y a du monde ou c'est moi? Nous sommes à 8 nous abonnés des 10, c'est ouf. Alors 10, vous allez faire Maxou, c'est pas beaucoup. Non, effectivement 10 c'est pas grand-chose, mais 10 sur un live de 250 personnes, c'est quand même pas mal, je trouve. 10 personnes qui ont F1 2016 et qui sont prêts à jouer, qui ont réussi à trouver Andy sur Steam et à rejoindre la session, c'est pas mal. J'attends de voir popper le Hydro, parce que ça fait 6 mois et demi que j'attends de voir Hydro en piste. Alors pas pour une rivalité à la con, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais juste pour rouler avec lui, parce que voilà. D'ailleurs je suis un peu déçu qu'Hydro ne soit pas venu en libre antenne, lui qui me l'avait promis, comme quoi évidemment YouTube ça n'est plus la même chose. Hydro invite, mais lol, j'ai pas ton Steam mon ami. Avec Clem, c'est très triste d'ailleurs ça. Et le G27 de Camille qui vient de fêter son 7e anniversaire. C'est increvable, le G27. J'ai invité Hydro qui est là, Hydro qui a été invité, qui est présent. Hydro qui est dans le... Ah, il est là, évidemment, abonnez-vous pour voir plus de vidéos. Les 300 RSGT vaut le coup, oui. Oui. Ah, Hydro qui vient me pourrir mon live, évidemment. C'est pas être tranquille 5 minutes, je plaisante évidemment. On va enfin rouler contre lui. Alors, rouler contre, alors évidemment, il n'y a aucune rivalité. Je ne suis même pas là pour rouler pour la gagne. Je suis là pour rouler avec vous et avoir quelques petites battles. Ah, quand allez, on est 24 heures du Mans. On est 4 le GTE. On est 14. Allez, mettez prêt, on y va. Allez, on y va. Et t'as pris quel circuit? Bakou. Ah!
Ah, le, j'ai pris le circuit dont on ne fait plus de blagues dessus parce que c'est terminé, c'est interdit par la loi. Donc calmez-vous. Pour être clair et pour avoir eu des infos, l'LMP1, attendez-vous, est-ce qu'il n'y a plus qu'une une marque représentée? Ouais, ou qu'il n'y a plus de l'LMP1 hybride en tout cas. Ouais. Ah, Hydro qui a une collection de porcs, comme on peut le voir, avec les barres vertes. Alors que Pesca est un peu de travers. Parce que... Oh, cette blague, mon lieu dangereuse. Un circuit à bas coût. Cette blague est interdite par la loi. Ah, ça y est, Hydro qui commence. J'ai une excuse, j'ai pas le bon volant. Bah voilà, bravo. Alors, grosse différence entre T300 et TSPC. Ouais. Pour avoir essayé, oui, quand même. Au niveau du retour de France. Voilà, enfin. C'est toujours constant en fait. Combien de crash dimanche à Bakou ? Oh, combien de drapeaux rouges en qualif surtout ? Salut Douane. Salut Douane. Salut Baptiste. Hydro. Attends. Hydro versus Maxou, Ferrari versus McLaren. Vous êtes au courant que je ne sais même pas ce que j'ai pris comme caisse. Hein. J'ai même pas vu avec quoi je roule. Hein. Honnêtement, j'ai même pas vu avec quoi j'avais commencé la course. C'est pas grave. Je suis le safety car. Ah, je suis une safety car. Tiens, en parlant de safety car. Ah. Soyez attentifs au prochain Grand Prix qui va sortir sur la chaîne à Singapour. Si vous aimez les safety cars, il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui vont, à mon avis, apprécier. Préparez les cordes, les couteaux, les lames de rasoir. Les... Alex Juil. Hein, allô ? Non, mais c'est le nom, c'est. Je suis désolé. Je veux que Porsche reste. Ah bah. Quel est le meilleur volant selon vous, ou ne fût-ce que la meilleure marque? En termes de ressenti, pour moi, Fanatec avec son Direct Drive, lol, propose la meilleure expérience, mais malheureusement, c'est pas les plus fiables. Les plus fiables, ça reste Logitech. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas une vanne. Entre le G25 et le G27, ça reste pour moi les volants les plus fiables depuis des années. Par contre, le reste, ce qui est. Ce qui est G29 et G920, c'est un peu moins le cas malheureusement. Alors, il y a des connexions qui galèrent. Ouais, il y a des, il y a Pesca, mais Pesca depuis tout à l'heure, il était un peu en version tiers monde. Hein, Alors, on va demander à Pesca de bien vouloir. Liv, est-ce que tu peux quitter la session comme tu as quitté le WEC par la petite porte? Alors que nous sommes dans le 13, abonnez-vous. Dis. Quoi ? Pas le droit à cette blague, non Max. Il y a quoi qu'il ait entendu, je crois. Pardon. Le monsieur qui a des infos sur le futur des LMP1. Alors, bon, le monsieur... qui a été au Mans, moi perso je dis. Source, on ne peut rien dire. Tu peux pas balancer des infos sur le LMP1 ? Bah non, mais on n'est pas. On a. Bah... Ah ! Quelques infos, mais on peut pas citer. Enfin, surtout. Ah moi, ça veut dire que les femmes ne savent pas faire un tour de Bakou. Merci, merci beaucoup Pesca d'avoir live sans couffer rire et sans tirer les marrons du feu. J'ai plus d'autres vannes. Il s'est déconnecté avec Imieux Mieux. Ah merci. On peut juste dire qu'il y aura une marque française qui sera représentée seule. Voilà. Bien sûr, la marque sans permis de Ligier. Ah, alors qu'il y a quelqu'un qui s'abonne ou qui se désabonne à chaque fois. Ça fait 91, 92, 91. Il veut être le. Alors, il y a Scress qui nous dit Maxou, les gants, est-ce que ça sert? Désolé, je tape un peu dans mon micro, mais il est du mauvais côté. Oui, ça sert parce qu'en fait, c'est le. Je l'avais déjà expliqué. C'est la matière avec laquelle est faite mon volant qui préconise ça. Voilà, j'ai raté le premier freinage, c'est terminé. C'est plus rapide. Ah, Baptiste 53, je ne peux rien dire. Il y a tellement de monde qui ont deviné. Hop. Ah, c'est ça. Pour ceux qui posaient des questions, vous prenez les... Vous enlevez l'hybride et vous réfléchissez, il reste qui, quoi. Ce qui crève un pneu au tertre rouge au départ là. Je sais pas, je suis des choses qui arrivent. Non, je regarde dans le chat. Temano FIFA, c'est. C'est Temano, c'est un.
Ah, des vieux. Temano, c'est un très très fidèle modérateur de l'époque Twitch et qui vient d'ailleurs de sniper. Merci beaucoup, Temano, pour ta présence et merci pour le snipe sur le chat. Toujours fidèle, hein. Merci à toi. Bon, il est. Oh! C'était un mur. Il a des défauts, il est standard man, mais il est très gentil. Je plaisante évidemment. Oh, j'ai dû perdre tout là. Là, je vais partir dernier, ça va être un bonheur. Bon, tu partiras pas dernier, t'inquiète pas. Je m'en charge. C'est toujours le problème de devoir lire le chat en... Pas le pire. Alors, lire le chat en roulant, toujours un bonheur. Non mais je vais essayer de lire un maximum. Maxou galère avec une Toro Rosso. Mais je galère pas, je suis mauvais. Mauvais. Mauvais, hein. Et c'est Sweeney qui a fait la pole. Edge Styles, incroyable. Mais sans rancune, t'es mano, tu le sais bien. Et sur le Discord, non, ne vous oublie pas, vous n'êtes pas oublié. Alors, on en parle de Grosjean qui va péter ses freins au bout de 2 km. Oh, j'ai battu Hydro, abonnez-vous. Oh là là, Hydro, au fond du trou, 20ème, oh là là, désabonnez-vous. C'est un pilote IA. Ah, il a même pas fait de chrono, il va nous battre sans, il a pas besoin, tu sais. Mais rien que pour Fabien Le Mans, encore une info en plus, il y aura des GT en plus. À part la BM, bien sûr. Et là, je dis rien. Sauber Honda, pire association de l'histoire de la F1. Non, il y avait Andrea Moda avec Cosworth, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait dans les Andrea Moda comme moteur? Quelqu'un s'en rappelle? Ça me dit bien que Cosworth. J'y aurais mis un Cosworth perso, mais après. Nous allons atteindre le palier des 290 viewers, incroyable! La frappe! Oui, Léo, ce sera pas. Ah, mon micro, tout le monde l'entend dans la game! Ah! Et je ne sais pas me muter! Oh, il va pleuvoir, terrible! Ah, ça va vous faire chier que je parle dans la game, hein! Ah bah tant pis, voilà! Ah, alors qu'on a un supporter du standard. Ah, Hydro qui c'est chiale, pas... Hydro en PLS. Oui, Lamborghini, bien vu Clem, bien vu. C'était un moteur Lambo qu'il y avait là-dedans, je pense. Ah bah oui, pour une équipe italienne, ça semblerait logique. Alors, Maxo pronostic pour la course MotoGP de ce week-end, est-ce que vous pensez... Et que pensez-vous de Zarco en MotoGP? Ah bah je vous laisse répondre en premier. Pour moi, Zarco, il commence à avoir le boulard, mais dans le bon sens. Il commence à se créer une bonne personnalité. Et puisque tout le monde le déteste, et quand quelqu'un... Enfin, beaucoup de gens le critiquent, ça veut dire qu'il est bon. Tu vois? Oui. Critique surtout voilà. sa façon de piloter. Ils disent qu'il est trop agressif. Vous pouvez muter, hein. Mutez-moi, hein, si je vous fais chier dans la course. Ce qui est d'ailleurs le cas. Hashtag Maxou le chieur. Oui, mais j'assume. Alors, Hydro, c'est bien le fond de la grille. Ici il pleut, je pense que chez toi il doit faire sec. Tu vois la voiture de Van Dorn ou pas? On voit pas le fond, on voit pas l'avant de la grille avec Hydro. On est trop loin au fond. À Assen normalement aussi il peut faire un bon résumé. On est les délinquants au fond de la classe, à côté du chauffage. Je vais lire un commentaire. Maintenant imaginez-vous, hein, en Formule 1, As plus frein plus moteur Honda. Ah oui, avec les Brembo. Ah oui, non, mais. Je pense que c'est Romain Grosjean, il passe ses week-ends chez lui avec Marion. Hein. Il vient plus au meeting. Hein. C'est, deux tours c'est sur 90. Bon, alors, est-ce que J4, JA14, qui à mon avis doit être le voisin de Pesca, il doit être dans la même commune, c'est rigolo. On va toujours être performant. Mais quel gamin, oui, ça va. Non, on en a 4, encore 6 personnes, allez-y. Déjà, je suis dans la voiture de Van Dorn, et t'inquiète pas. Alors, monsieur J4, JA14, pouvez-vous partir, Leave. S'il vous plaît. Quoi c'est qui est critiqué quand on sait même pas conduire une moto? Bah, c'est les autres pilotes de MotoGP. Ouais, les journalistes aussi. Progressif. Est-ce que ouais. J4, JA14,
peux peut-être quitter la session afin que le live débute, puisqu'on n'a pas roulé depuis maintenant 45 minutes. Alors que je ne peux pas kick de quelques personnes, malheureusement. Incroyable. La frappe. La PLS en mais c'est pas genre après une minute il est kické ou quoi, parce que... D'ailleurs je salue notre ami tout à l'heure qui nous a dit cette magnifique phrase, hein, Sweeney, qui parlait de fin 2017. Le fameux JK qui dit sa charge, mais il y a eu un petit gros mot à la fin, donc c'est pas contre toi. Ah, JK GIA 14, ah oui, qui est en... Ah mais c'est Janice sur le... Effectivement, sur le... Sa charge, mais il faut fermer le torrent pour film adulte. Pour répondre à Dream, vive Zarco, même si hashtag respect aussi. Alors respect tous les pilotes, hein, parce que faut le faire. On voit bien qu'il y a Hydro, il pleut. Alors ça, faut suivre Hydro, évidemment. Ah. Et Andrea Moda avait un moteur Judd. Alors, J4, J14, 20 ans. Va jouer ailleurs. Leave. Please. Laisse-nous jouer entre personnes de bonne connexion. Entre parvenus. Ah le jeu a planté. Eh bah dommage. Allez. Ça fait plaisir de gagner pour Hydro quand même. Hein. Essaye de relancer, de revenir au plus vite. Tu pourras. Oh. Oh là là, incroyable. J'ai pris un passage par les box puisque mon gant a ripé sur ma palette tellement j'étais prêt pour le départ. Et bah alors. J'ai vu un commentaire, yo tout le monde c'est Jimmy, ça me fait penser à Zabel. Ouais Jimmy. Jimmy fouillé. Voilà pour ceux qui nous mettent. Pluie de drapeau jaune. Juste pour montrer pas. C'est dommage, y'a pas les replays, lol. Ah je viens de voir ton drapeau. Alors que visiblement la stratégie chez McLaren a encore été excellente avec l'option des pneus tendres, hein, pour le départ. Alors il y a Clémo qui dit je viens à Spa le week-end du 9 juillet. Il y a quoi le 9 juillet? Bah il y a les 25 heures Fun Cup. Ah oui. Ah moi je n'y suis pas, je suis un festival de musique. Donc je peux pas. On peut pas aller avec la sceptique. Car on n'a pas le contrat. Lol. Oh là 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 là. Emery qui balance les bails en live, mon respect. Ah bah pff. Moi je ne cache rien. Est-ce que tu connais ce mot diplomatie? Non parce que là. Quoi ce problème avec la famille X. Maxunado Jumpstar. Ah là, j'ai fait une Spa 2012. J'y étais. En parlant de Spa 2012, je suis juste derrière Grosjean. Ah, attention quand il freine. Oh la. Ah ouais, non, mais avec la flèche, je pouvais pas faire. Et Sam Soda derrière le vent d'orme. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a vraiment pris. Non, non, c'est des IA. Ah, c'était pas Hydro qui avait la voiture de Spell. Si, si, mais c'est parce que j'ai modé le jeu en fait. Ah, d'accord. Bon, je rassure tout le monde, j'ai la voiture de Daniel Viat. Je veux bien faire un drive-thru si Kelly Piquet m'attend dans les stands. Alors, mon père pilotait en blanc pain, j'aurais bien aimé te voir avec lui ou pas. Ah, quel nom, Clément? Salut, Boujon Théo. À la prochaine. Oui, alors du coup, les trois loustiques que vous avez à l'antenne seront aux 24 heures de Spa. Vendredi, samedi et dimanche. On vous tiendra au courant sur mon Twitter et mon Facebook, évidemment, de où vous pourrez nous retrouver. Alors, on va pas donner l'adresse de l'hôtel, lol, mais on. Ouais, ça serait quand même con. Ce serait quand même con de se faire foutre dehors alors qu'on a fait une super offre à deux semaines des 24 heures. Et alors que c'est moi qui paye. Oui. Lol. Lol, et on peut pas tous dormir dans une Opel Corsa, lol, ça va être compliqué. Mais non, ça s'annonce bien. Je regrette ce drive-thru, vous avez pas idée. Comme Yuji. Mais vous avez pas idée. C'est ouf. Yuji idée, voilà. Attends, je sers de Uber quand même, moi, hein, monsieur. C'est un Uber. Bon, bah, on va desservir notre. Ah, et donc, faudrait que tu t'arrêtes au stand, hein. Comme ça fait challenge jusqu'au bout.
J'aurais peut-être une chance qu'Hydrome revienne dessus. Oh lol. Je veux aux 24 heures aussi, d'office on se boit une bière. Ah, toi qui l'offre. C'est toi qui l'offre. C'est toi qui paye, problème. Faites moi, je fais la sécurité pour la bière. Ah, t'as des places pour se garer à l'intérieur. Oui, si quelqu'un peut nous offrir un parking, parce que moi je paye pas 25 euros pour être dans un champ qui est pas tondu, une vieille dame qui fait 20 euros c'est pour la tournée, mais pas pour le week-end. Pardon. Ah, faudrait qu'on demande à qui tu sais, Max. Pour. Oui. Je vais lui envoyer un message. Hydro est quatrième. Comme quoi la chance existe. Est-ce que je vais ressortir troisième après mon drive-thru? Les mecs vont à l'hôtel pour les 24 heures, ça se fait trop pas. Ah, moi je voulais dormir dans le coffre de la bagnole. Hein. Ah ouais, non, mais attends, avec la chance qu'on a, il va faire genre 37 degrés et moi 3 jours sans douche. Je ne sais pas pour mes chers amis, mais moi 3 jours sans douche, on part sur un non. Ah, mais je ne peux pas physiquement. J'ai des douches portables que j'avais à l'armée. Oui, bah oui. Bon, bah merci pour le drive-thru, on est toujours P3, MDR. À spa prendre la douche, c'est. Oh là 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 là. Allô rouge MDR. Pour information, pour avoir pris mes douches au camping de spa dans ma jeunesse, on part sur un chlamydia, on part sur des MST et des champignons. Hein. Yes. Donc personnellement, ce sera non. Hein. Quand bien même c'est accoudé au bureau de police, c'est non. C'est le 29 et le 30 juillet, le jour de mon anniversaire. Faites des dons. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il aura son cadeau. Ah. Ah bon. Ouais. Il aura lui aussi sa MST. T'as ramené quoi comme souvenir de spa? Une miniature, un autocollant, une photo? Non, non. Les champignons. Ce n'est plus en forêt qu'on cueille les champignons, mais sur les pieds d'Emeric. C'est dégueulasse. Bon, il se passe bien ce Grand Prix de Bakou, hein. Il y a toujours plus d'action qu'IRL, lol. Je viens de foutre Button dans le mur. Ah, donc Hydro. Ou Button, Button. Non, non, Button. Belly fucky. Non. Mais non, mais non. J'ai pas dit le mot. Bah, quand même. Et pour Corman, Rémi, tu fais que les 24 heures ou tu fais autre chose qu'on s'est peut-être croisé du coup? Ah, c'est pas. Avant ça. Camping dans le paddock. Eh oui. Le fameux sac de couchage dans la tribune. Non mais Clémo, apparemment il y a un papa qui son père qui est roulé en blanc pain. Ouais, j'ai vu ça. Bien sûr que oui, il est où Allégret. Je suis le WEG et je suis le championnat du monde d'endurance moto. Et les qualifs c'était tout à l'heure d'ailleurs. Ou les essais, je sais plus, je sais qu'il y a eu. Ah. Passionnante cette course, ouais. J'avoue. Je voulais coller à l'IRL en mettant en Bakou. Et ben j'aurais mieux fait d'aller me coller ailleurs parce que c'est pas terrible. Hein. Surtout avec la pluie. Si, ça glisse un peu, c'est marrant. On se croirait sur Dirt 4, lol. Sans surprise, Léo, moi c'est Team CRC. Et on ose. Vive GMT. Ouais, ils ont fait une très bonne année, le GMT. Oui, je fais de la CQDF1. Ah. Envoie-moi un message privé sur Twitter ou Facebook. Si jamais tu veux. Hein. Ça se trouve, on l'a déjà croisé. Hein. Peut-être quand on était dans l'équipe safety car, lol. Bah, c'est ça, c'est possible. Mais putain, mais passe la marche arrière. Ah oui, on en est là. Alors, un petit hashtag le sel pour Andy, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre qu'on me traite de rageux. Donc, s'il vous plaît, mettez le hashtag Andy le sel ou Andy rageux sur YouTube, si c'était possible. Ah non, mais c'est pas voilà. C'est Andy rageux, c'est Andy le sel. Des bisous à tous ceux qui le feront. Les 260 personnes, je veux qu'ils fassent le... Là, vengeance. Oh, mais moi, tu sais, hein, je tiens à ma réputation de mec salé. Hein. On va l'appeler le jambon, tu sais, le jambon de Serra. Oh la vache. C'est mon fond de commerce, le sel, maintenant. Ah, c'était une bouteille de coca tombée, c'était jamais l'ouvrir. Ah, bravo Nils. Ah bravo, pareil que tout. Et sinon la bassement c'est une Corvette dans le tour. Ben j'en pense que c'était beau, mais si la Corvette n'avait pas cassé, ça aurait été encore plus beau. Oui, la marche arrière parce que je me suis foutu dans le mur, et il fallait que je ressorte.
Ah, ça y est, ça commence à arriver. J'attends qu'on dit rageux, on dit le stèle. On dit... Le pire chat du monde, merci à tous. Allez-y, allez-y. Pas de soucis. Ah, plaisir. C'est beau. On dit rageux, on dit le sel, on dit rageux. Ah, c'est mais génial. Pourquoi t'as dit on dit rageux, c'est pas on dit rageux. Ah, my god. La magie d'internet. Je vous aime. Alors, hashtag on dit le sel, mais hashtag pas que sous le mur aussi. Hein. Parce que... Ah, ah oui. Encore arrivé. Oh, bah j'ai fait un wallet involontaire là. Il était magnifique. Andy Guirande. Andy qui vient de me tuer mon mon chat. C'est abonnez-vous. Ah bien sûr. Hein. Bientôt les 18 000 abonnés. Abonnez-vous, je rends. Lol. Bien sûr. T'as tapé là avant l'arrivée. Je sens qu'on va avoir du safety car celui qui a dit IRL. Ma Corvette a cassé ce qu'elle a fait tout droit dans le gravier de son. Ah oui, triangle et disque. Mais à la base, c'est un disque qui a cassé, qui a surchauffé quand elle a raté son freinage de la chicane. Comment ça, j'ai une alerte carburant. Maintenant, c'est Max sous le mur. Max Tsunado. Ah non, on n'a pas le côté de. Ah, ça protège. Ah, allez. On a beaucoup 6. Tellement pas de DRS, j'ai quand même appuyé au cas où le jeu était mal codé. Oui. Ah. Quelques frites dans ton sel, hein. Ah, ça serait avec plaisir. Ah, mais quand il va venir dans le coin, on va le faire toutes les spécialités. Oula, c'est qui là Lolo. Maxou alias Car Junior. C'est le 1er juillet, hein, la Trackmania Cup, la finale. 1er juillet, croyez-moi que sur Twitter, tous derrière Car Junior. Hein. Vous en pensez quoi de la Toyota et de Vincent Capillaire? Ah bah. Ah, unlucky, hein. Tu peux pas wallit sur F1 2016? Si, je peux. Hydro, je déteste tes abonnés. Ah bah. Est-ce que... Ah, alors, j'invite tout le monde sur le live à faire un petit F12, petit screenshot et de tweeter. Alors Hydro, on est nul. Alors on prend des pénalités de 5 secondes, on cheat. Alors je remercie quand même à Lolo qui a ralenti sur la ligne pour la P3. Ah oui d'accord, on prend 5 secondes. On a sorti le Wallach, on commence à faire du cheat. Sauber qui fait un top 10 quand même. Hein. Ça choque personne. Bah bravo en tout cas, belle course les amis. Allez, vous pouvez toujours rejoindre hein, si vous voulez venir avec nous. Hashtag Maxou Maldonado. Alors que je vous annonce que le prochain circuit sera le quota. Ah, est-ce qu'il sera respecté? Ah, c'est l'UFOLEP c'est... Merde. C'est pas pour tout de suite. Et on se demande pourquoi je fais pas de multi, ah effectivement oui. Bah là on se demande pas, on a compris. Ah, je suis désolé, j'ai supprimé un commentaire que je voulais pas faire. Désolé. Bah bravo, Nils. Ah, j'arrive plus à le remettre, merde. Désolé à toi qui... Toi l'Auvergnat. Toi l'Auvergnat. Calmez-vous. Tu sens en caleçon. Calmez-vous. J'ai un caleçon. Ah oui, ce qui est pas une petite info, on a vu quelqu'un torse nu, n'est-ce pas, hein. Oh là, oh là, allez, là. C'est bon, ne balancez pas tout, les enfants, s'il vous plaît. Bon. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs choses à faire. Tout d'abord, je vais changer d'équipe et je vais prendre cette superbe Force India, puisque j'aime bien la Force India. Et je vais prendre la combi blanche et rose ou pas? Pas encore, mais j'ai peur de remodeler le jeu et que ça plante avant la fin de l'année. Vous allez jouer à quelle heure, assez tôt à peu près? Eh bien écoute, là on est sur F1 2016 jusqu'à au moins minuit, et de minuit on va essayer de refaire assez tôt, peut-être, ou alors à 1h. C'est minuit ou 1h, je sais pas. Ah non, maman ne m'a dit pas après minuit. Bonsoir Barbu du Swag. Barbu du Swag, très bon pseudo. Bonsoir Marian, qui était déjà là, mais qui... Alors, j'aimerais quand même prendre 2 secondes pour remercier les gens qui ont fait des donations, parce qu'on a reçu 2 dons. Donc merci d'abord à Clément, je ne cite pas les noms de famille, mais si vous êtes sur le chat, dites-moi si je peux... Ah c'est Clément ou peut-être, non? Clément B. Clément B qui fait un petit don pour te
proposer du contenu supplémentaire sur iRacing, continue comme ça. Eh bien, merci beaucoup parce que grâce à toi, je vais pouvoir acheter enfin le circuit de Spa-Francorchamps que je n'avais pas. Je remercie aussi parce que j'ai reçu une autre donation juste avant. Oui, t'inquiète. Merci à Edouard. Merci Edouard Gérard. Si jamais des filles célibataires et majeures cherchent une tente pour dormir aux 24 heures de spa, je suis là. Donc, c'est évidemment Edouard Gérard qui habite au 17 rue. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais Edouard, donc, qui se propose si vous souhaitez une tente pour les 24 heures de spa ou du Mans, je ne sais pas, je me rappelle plus. Du coup, j'ai pas fait attention. Je vais relire ça de manière autoritaire. Lol. Oui, les 24 heures de spa. Et eh bien voilà. Si nous cherchons des refuges pour la nuit, je pense qu'il sera heureux de se proposer. Ah, oh, c'est sympa. Il vous invite tous d'ailleurs, hein, tous sur le live. Il vous paiera votre place aussi. N'hésitez pas. Alors, il y a une question qui est bête, mais je vais quand même juste préciser ça parce que t'es pas le premier à me le demander. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat une dédicace. Faut savoir que je ne fais pas de dédicace et je n'en ai jamais fait pour une simple et bonne raison. C'est que si je commence à faire une dédicace à quelqu'un, je ne fais que des dédicaces en live à certains pseudos. Donc, à la limite, si vous voulez que je vous cite ou quoi, et que vous voulez faire un petit don même d'un euro, voilà, c'est pas de l'achat, c'est pas du putaclic, etc. Pardon. Mais voilà, à la limite, voilà. C'est parce que je viens de voir encore le Ebrick Kawe sous la pluie. Ah, évidemment. Ah, Hydro a quitté, allez, salut. Ah, Hydro, la madance. Le rage quitte. Ah, pour l'info, le kawa, c'est pas le café, parce que combien de fois on l'a fait. Eh, Mike, café. Non, non, c'est la moto. Alors, Hydro, on est nul. Évidemment, kawa, donc la moto. Merci à Solitaris sur Twitter qui nous a fait un magnifique. Alors, Hydro, on est nul. Merci beaucoup. C'était magnifique. Ah là là. Allez. N'importe quoi. Maxou, par contre, son irascible retire les bips. Bah, des fois, c'est même pas des insultes, mais c'est. C'est des allusions aussi, ça peut être pas. Oula. Alors, le problème, c'est que les bips sur iRacing, je les ai mis, mais ils sont pas tous bons. Il y en a un ou deux qui ont été un petit peu oubliés dans la dernière vidéo. Alors, évidemment, je tiens à préciser que si vous nous suivez en live. Et qu'on est en session de course et que vous avez une question qui n'est pas lue ou qu'on manque, sans spammer outre mesure, n'hésitez pas à la reposer, hein, du coup. C'est de la faute à Emmerich surtout. Parce qu'Emmerich peut les lire, mais Emmerich ne lit rien puisqu'il est en train de raconter sa vie avec. Ouais, alors Rossi, il était mieux quand il avait ses cheveux longs. J'ai mes yeux qui fondent, monsieur. Tant que c'est les yeux, ça va, il fait moins chaud. Hein. Ah, non, la bagnole, il fait chaud en plus. Hein. Périph limité à 70 qui roule à 10 voire 0. Ah, Pesca qui s'est retiré de la session, incroyable, il n'a même pas tenu la qualif. Oh, j'en avais partout, donc pardon. T'arrêtes, oui. Arrête tout de suite. J'attends le retour d'Hydro sur le chat, vu que du coup il a pas la voiture dans la session. Non, mais je comprends, après voilà, t'as pas envie de te faire humilier devant 300 personnes, je peux comprendre. Pas 240, voilà. Parce que tes fanboys sont partis, puisque dans le YouTube game, tout ce qui importe, c'est la jalousie, c'est la lutte aux abonnés, c'est voilà quoi, c'est ça le plus important. Aïe aïe aïe, Maxou Pilote va être kické de son propre live. Je viens de tilter que c'était le quota, j'adore ce cercle. E-Racing remplace un peu les courses en ligne. Oh, track limits, magnifique. E-Racing. Pas fou, enfin c'est non, enfin c'est. Ouais, c'est un peu l'idée, mais il y aura encore des courses en ligne, hein, on va encore en faire sur d'autres jeux. Hein. E-Racing ne remplace rien, dites-vous qu'E-Racing c'est un supplément. Non, c'est juste qu'il est vrai que c'est pas hier. Non, tu sais pas hier. Du coup, tu seras banni, tu es le mec, tu seras banni. Hashtag Hydroent, effectivement. Alors que l'on suit Carlos Sainz qui n'a pas encore mis sa voiture dans le mur, hein, ce qui est assez incroyable. Moi j'aime bien ce circuit comme. C'est un mélange de tout. Mélange de plusieurs circuits, ça c'est... Alors, du coup, on est combien? Ah non. Incroyable, la P7 avec la Force India en ayant coupé, lol. Mesdames. Ah, il y a Barry Kimi qu'on salue, qui est un ami de Michael, que vous suivez sûrement, Michael Duforet, qui... qui se retrouve là avec nous. Et Barry Kimi qui en fait a un compte, alors si je dis pas de bêtises, il a un compte Dailymotion
Oui, re-upload, mais des tonnes et des tonnes d'archives de courses auto. C'est une vraie mine d'or avec de l'IndyCar, de la NASCAR, beaucoup de courses US. Et franchement, si vous avez le temps, allez voir du coup Barry Kimi sur, sur Dailymotion. Il a une chaîne excellente. Oui, je dis Dailymotion. Clément, c'est pas cher pour moi. Je trouve l'abonnement est cher, mais après le reste autour, c'est un petit budget, mais tu fais mois par mois, et tu sais, comme si t'achetais un DLC par mois. Ou Andy, un jeu, quoi, ça. Oui. Question météo, t'as fait quoi? T'as réquisitionné Georges Pernoud ou comment ça se passe? Parce que c'est en aléatoire. Salut Tristan. D'ailleurs, je vous propose d'entonner un chant. Aléatoire, aléatoire, aléatoire. Voilà. Et je salue au passage sur le chat, il y a Nico qui nous dit Inch 66 pour la chaîne de Michael. Ouais, c'est la chaîne YouTube de Michael, le collègue. Enrico Macias. La dernière personne qui a marqué Enrico avec un E, elle est décédée. C'est le mec. Il a fini chez Williams, il s'appelle Stroll. Ça rentre à 5 de front et ça kick. Wow. Et ben, je me fais percuter par Julian Palmer. Ah bah, still a better game. Ah, les putains de drapeaux jaunes. Ah, t'as pris une péna pour pas avoir ralenti, toi, non? Mais... Il est où Verstappen? Ah, encore 5 abonnés. Là, ça monte petit à petit, là. Oui, ah, parce alors... que pour info, ceux qui nous ont rejoints maintenant, quoi, encore 5 abonnés et on... Enfin, non, Max dépasse la barre des 18 000. Emric, dis-le pas si fort qu'on a en projet de racheter la chaîne de Max. Ouais. Ah, mais c'est trop on cher. On va bientôt avoir 18 000 abonnés. 3 millions. N'empêche, Emric, il a le bon plan, mine de rien, parce que c'est le seul qui dit « Oh, moi, je fais pas de chaîne YouTube, je fais pas de montage, je m'embête pas. » Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve sur toutes mes vidéos. Les vidéos, moi, je les monte, je les bip. Et lui, il est là, genre, oh, encore une vidéo, je suis avec Maxou et tout. Ah, c'est cool. Mine de rien, sans y toucher, il est en train de faire le coup du chapeau, Hervé. Alors, ah non, mais là, non, mais j'étais à l'extérieur, là, la Red Bull, j'y pouvais rien. Hein. Collision avec Verstappen. Ah bah, il sera driver of the day, de toute façon. Non mais Lia, tu l'as mis à quelle difficulté, mon cher Andy, si on peut la changer? Je l'ai mise en hard, je crois. Eh ben, waouh, c'est hard à dépasser plus qu'autre chose, hein. Non, mais il égale Overtake, mais c'est pas possible. Alors les deux McLaren, faut arrêter de faire les Goliots, là, si je puis me permettre. Et de laisser passer les gens importants, là. Non, je les conne, calmez-vous. Les gens qui paisent. Oh, ça... Oh, alors... Ah, il y a bon, du Schumacher Barrichello là. Hydro sur le chat qui n'en rate pas une, évidemment. Alors, Maxou, on rate le premier virage. Là, si j'ai un coupage, je me tire une balle. Ça ah, va. Et pour. Je suis le juge de paix, monsieur Tricol ne t'a pas touché. Hein. C'était Verstappen ou je sais pas si c'était. Non, non, c'est. Je pensais que c'était justement Cole Tricol. Non, oui, t'as pris ta. Mais c'est en fait. Il a pas compté Verstappen qui était derrière, mais je pensais que j'avais foutu dehors un vrai joueur. Emric Sacriste, hashtag. Ah là là. En fait, Emric, c'est le Bob Lennon de la chaîne. Exact. Il fait jamais de vidéo et là, coucou à terre. Emric président. C'est lui qui gagne la fame. Ah non, moi j'ai dit, je laisse ça aux professionnels, je ne sais pas monter, je n'ai pas envie. Moi j'ai juste envie de m'amuser avec les copains. Ouais, bah comme nous tous, mais nous on est obligés de faire le montage. Ouais. Sinon nous aussi on veut bien s'amuser avec les copains. C'est cool, t'arrives sur YouTube, les gens ils font « Ah salut Emric, salut, comment tu vas ?» Ouais, salut. C'est le mec des pauvres. T'as changé Emric, t'as pris la grosse tête. Ouais. Je voterai pas pour toi comme président. Oh. C'est pas... Alors, Emric, ce que tu peux faire aussi à un moment donné, c'est tu vas tout au bout et tu fais bloquer l'utilisateur. Hein. Bah, c'est fait. Ah non, parce qu'il a l'air de revenir, hein, du coup. Ah, t'as un décalé, toi. Alors, j'ai un moustique autour de moi, alors calmez-vous, les gens. Je suis youtubeur, laissez-moi passer. Bonsoir, Clem. Mais putain, j'ai quasiment 500 abonnés, je suis une personne connue. Cassez-vous. Salut, ouais, Clem.
je pèse. J'ai mon stand à la PGW à côté de David Lafarge. Hey coucou. J'ai failli faire un Macarena. Genre, hey, Mac. Pardon. Hashtag Eric le parasite qui fourrait. Tu sais la pub. Bonjour, c'est moi, je vais m'incruster sous vos ongles. Ah, le truc qui passait avant le départ du Grand Prix de Formule 1 quand t'étais à table à 13h15, tu sais. Et pour le Emmerich Hollande, le petit. Voilà. Oh là là. Mais c'est les guignols de l'info, mais aujourd'hui, c'est dramatique, quoi. Oh, les gens, ils aiment bien. C'est des temps. Max Rouge, c'est bien le fond de grille. Une grosse journée, je me lâche. Je sais pas, je suis dans les points. C'est bien d'avoir 500 abonnés. Aïe. J'ai pas 500 abonnés, alors j'en bats les couilles. Et en plus, tu es vulgaire. Oh là là. Ah oui, je m'en bats les, les parties précieuses. Ouais, les lobbies privés. Ouais. Vous avez un grain, les mecs. Non, deux. Ah, je viens de doubler la McLaren qui a des pop. Désolé. Mais c'est Pesca, hein, donc... D'accord, on est en offline. Vous entendez pas en offline, messieurs. Que... Salut, Kamikaze. Oh, Zigolio, ah oui. Ce n'est pas méchant, mais tu représentes mal la Belgique, désolé de te l'avouer. Hein ? Allô ? Allô ? Allô la Belgique ? On vous a perdu là. Allô le trône de Belgique ! Comme on disait à l'époque des grosses têtes. Terrible ! Andy, Maxou et Emerick ne jamais. Ah bah ça arrive souvent malheureusement. Deux. Ne jamais... Il était marqué Andy, Maxou et Emerick ne doivent jamais être ensemble. Ah bah attendez-vous à un vlog sympa de 2h hein, pour les 24 heures de spa. Emerick va les abonner. Non ! Alors ça c'est non. Ça c'est nos chaussures, ça c'est nos pantalons. Ça c'est la friteuse dans la chambre. On va faire des croquettes aux crevettes avant le départ. N'empêche, le mec il vient avec sa batterie portable pour faire avec sa friteuse ses frites dans la tribune. Aux 24 heures, ah ouais. Ce serait le GG quand même. Ça s'arrange. J'ai l'outil spécial que tu branches à la batterie, ça fait une prise de 12 volts. Yep. Enfin, la friteuse sur 6 volts, ta batterie quand tu repars, ça va être sport. Hein. Hashtag Emerick la frite belge. Ah la franco-belge hein. Pour rajouter quelqu'un pour Race Room. Ah oui c'est Andy il va vous filer le. Bah non Race ouais. Room. Race Room j'affiche les serveurs et vous rejoignez le serveur qu'on retrouve. On vous donnera le nom du serveur. Emerick le parvenu. Oh non mais j'étais sur Call of Duty moi les gars je savais pas. LOL. Vous êtes sur Pro Cycling 2017 ou 2016 bon, c'est le même. Je note que le vlog fin juillet durera 2 heures. Oh, y'a moyen. Alors, attention. 2 heures sur 3 jours, y'a largement moyen. Hein. Déjà, une journée, ça fait 20 minutes alors. Hashtag Périsque. Oh. Ah oui. Oh. Y aura un live. Et on se calme, Pro Cycling Manager, c'est très bien. Jérôme, t'as reçu les photos. Oui, Pro Cycling, c'est bien. Moi, j'aime bien le vélo. Rigole pas, Maxu, y'en a un qui va le faire, ouais. De quoi ? Une vie sans vulgarité, je parie vrai. Je veux dire avec sa friteuse à spa. Oh, je me suis loupé. Incroyable. Hashtag Emerick vole la frite explication. Prank. Oh, ça tourne mal. Je renverse ma friteuse sur le virage de la source. Explication. La safety car éclate un pneu. LOL. Je rate mon ramadan pour la 14e fois en 3 jours. Pour faire 100 000 vues. LOL. Bon aveu. Comment avoir une place privilégiée? Ramener des briques avec une friteuse et c'est bon. Y'a personne qui aime PCM sur Slime? Si, c'est bien PCM. Ah. Bien. Non, parce que. Les fricadelles. Oh putain, c'est bon ça. Hashtag Maxou Patfra. Oui, j'ai fait une Romain Grosjean là. La différence entre Tour de France 2016 et 2017, le jeu c'est la couleur des menus. Ouais, bah c'est pas. Bah, c'est un peu ça. Bon, ça te gêne pas qu'on parle de vélo, Maxou, hein. Non, moi depuis que j'ai fait ma fringale à 50 mètres de l'arrivée du Mont Ventoux avec le 2015 et que j'ai fait OK, à plus, et que j'ai plus jamais joué au jeu, ça va. Et moi qui provoque un énorme carton à la source explication. Oh putain. Emerick met la safety car en tonneau, prank. Gone wrong, MDR. Gone wrong. Oh, il est pas très légit, hein. Oui, et BRC, belge, ouais. Sinon, violent. Pardon, pourquoi,
pour Coan Trao 99 qui a fini 5ème et qui m'a dépassé dans le dernier tour, tu seras du coup banni. C'est dommage, hein, mais. Et pour Barry Kimi qui m'a coupé hors piste pour me dépasser, tu seras modérateur. PCM, c'est la vie. Ah oui, Tour de France, qu'est-ce que ça va faire là? C'est bien. Prends que je monte le radio à pied avec une friteuse. Non. Pour les gens qui aiment bien jouer à PCM, je vais encore faire ma pub pour la dernière fois. Bien. Je lancerai une chaîne spéciale PCM. Non, je vais pas faire une chaîne, mais il y aura. J'ai le droit de le dire ou pas? Dis-moi, hein. Oui, vas-y. Il est beau. Bip, plus de son. Non, il y aura. Allô, vous ah, allô. Ah, sur on a 2016 ou 2017 aussi. Bah, sur le 2017, évidemment, je l'ai pas acheté pour rien. Tu seras tout seul, du coup. Non, je déconne. Il y aura une vidéo par jour. Pendant le Tour de France, il y aura une vidéo de PCM qui représentera l'étape. Une vidéo ou un live en fonction, je ne sais pas encore trop. Voilà, ce sera sur ma chaîne. Merci Maxou pour cette pub. N'hésite pas à venir sur ma chaîne pour faire une pub aussi. Tu en es le bienvenu pour toutes les zéro personnes qui ne te connaisseraient pas. Proc Maxou se fait voler ses frites et devient fou en direct, no fake. Alors Lu Scorpio, si tu vas sur le Steam Workshop, Ivre, il fait des frites dans le stand Ferrari. Ah, ça c'est pour Ivre, ça. Oui, je l'ai pas vu celui-là. Massimo va pas être content. Ah, je te jure. Hein, parce qu'il y en a déjà qui viennent avec un polo Ford, hein. Voilà, hein, voilà, je balance encore une fois. Allez, on va faire un petit point sur les dons parce que vous êtes extrêmement généreux ce soir, merci beaucoup. Il y a un don de 5 euros qui a été réalisé par Florent B. Pas grand chose, mais c'est le geste qui compte. Toujours derrière toi après ces années. Merci. Encore merci pour tout ce contenu de plus en plus professionnel. Le boulot m'empêche d'être autant présent qu'auparavant, mais je tiens. Je te suis toujours de loin. À bientôt au. À bientôt au. C'est peut-être aux 24 heures de Spa. Mais merci beaucoup à Florentin pour son don. Et il y a eu un autre don très généreux aussi de Marian qui m'a déjà soutenu par le passé. Marian qui nous fait un petit don aussi, mais qui n'a pas de message. Merci encore Marian pour ton soutien. Si vous voulez faire évidemment comme nos amis et vous souhaitez passer un petit message en live via une petite donation, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans la description de ce live et sur Twitter. Je te coupe, mais Marian Foulki, l'ami, j'ai oublié de marquer ce que je voulais dire sur le don, mais c'est pour la voiture de Thérèse sur e-Racing. C'est gentil pour la Kia Optima. Effectivement, la Corrado, lol. Lol. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque grâce à toi, je vais pouvoir enfin passer au GT3 avec la... Oh, ça fait bizarre, mais merci beaucoup pour ça, parce que ça fait... ça fait pas longtemps que je suis sur iRacing, et j'ai tellement envie de vous montrer plein de choses que ça va amener en fait un peu de variété. Donc effectivement, oui, ça va être sympa. Tu peux changer le Japon, s'il te plaît, histoire d'être embêtant. C'est Temano, l'admin qui a mis « C'est moi, Florentin, t'as pas eu tout le message, sniff. » Ah, Temano, c'est toi? Ah oui, Florentin. Oui, c'est juste, je pensais que c'était Corentin, excuse-moi. Oh, Emmerich fait des frites dans un V12. Ah, pourquoi pas? Tu veux pas le Japon? Non, parce que ça va être dans 2-3 jours, le lendemain, sur la chaîne YouTube. Donc si tu peux mettre alors, autre chose que le Japon. Hydro. Ah, Hydro. Tout, tout, tout. Le petit Hydro est demandé à l'accueil. Le petit Hydro est demandé dans le lobby. Merci. Alors, Tesson Baptiste, il y a un jeu sur Formula E, si je dis pas de bêtises, sur Steam. Je sais pas s'il est encore disponible. Il était Mais Baptiste, j'aimerais vraiment un vrai jeu sur la Formule E, vraiment. Ce serait cool. Oui, il est pas beau. Enfin, il est pas. Voilà, mais il y en a un. Oh, mais c'est pas un jeu de Simus, c'est un jeu qui joue au clavier, c'est juste pour découvrir les circuits. Il y avait Milestone qui s'était proposé plus ou moins pour faire ça, mais c'est pas fait. Il y a une team de modeurs qui est la Mad Corp qui fait la version que vous pouvez voir sur les vidéos où ils font du sim racing. C'est Mad Corp qui fait ça. C'est un super mode d'ailleurs, mais il est pas ouvert. Ils l'ont fait sur Air Factor 2, Assetto Corsa ou? C'est un facteur 2. Un facteur 2, maintenant. Par contre, il est complètement fermé, c'est impossible de le récupérer. Et si vous voulez faire un petit peu de Formule E, même si c'est pas très très bon. C'est invité Hydro. Putain, le mec, il faut que je l'invite, quoi. Non, mais lol. Ouais, mais c'est le YouTube Game. On est tous ensemble dans le YouTube Game. Allez, ce sera la dernière course sur F1 2016. Je me permets de boire de l'eau en live. Je sais que c'est très très vulgaire et très irrespectueux des gens qui me regardent. Ah, on peut y aller, allez-y. Pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé tout. Très chaud. Non, non, mais effectivement, merci. Merci à tous. Vous êtes encore plus de 200 maintenant avec ces phases de jeu. Après, on va faire du race room. On va faire du race room et ensuite on passera sur.
Aceto Corsa, histoire de pas refaire une pause avec avec Aceto. Le petit public est attendu par sa maman à l'accueil du lobby. je sais pas si je vais rouler, je sais pas. On enverra un message pour la PLS de la PLS de Zoltan qui voulait faire du Aceto et qui restait bloqué à l'accueil. C'est dommage. Eh oui, il avait oublié son pass, hein, Zoltan, dommage. Mais on t'aime, Zozo, de là où tu es, c'est-à-dire... Ah, Tebano qui me fait doute, il boit de l'eau. Il est où, l'Ice-T? Alors, l'Ice-T, je vais pas vous mentir, il est là. Mais il est day-side-day. L'Ice-T, il est day-side-day. Donc, pour ne pas avoir de problème de BOP IRL, c'est-à-dire ne pas prendre 50 kilos, je bois de l'eau. Voilà. Romain Dumas va-t-il battre le record de l'OB cette année à Pikes Peak? J'espère que Romain, il va pouvoir rouler. Du DTM. Oui, on fera sûrement du DTM, Pierrot. On va voir ce qui est disponible, en tout cas. La santé, avant tout, c'est vraiment vulgaire, effectivement. Il y a Valentin qui dit, Maxo, tu feras une vidéo pour les 24 heures. C'est pas Francorchamps. Oui, il y aura le vlog. Hein. Le vlog avec les deux loustiques ici. Bonjour à tous. Et il y aura peut-être un live après. Hashtag, prendre un hydro par là-bas. On veut le vlog barbecue dans le radio. Ah, ça peut. Nous, on va chez Action, on prend le petit barbecue à 3 centimes, la gaze, et on vous le fait. Hein. Il y aura le snap. Hein. Tu viens aux 3 heures de spa demain? Hein? Ouais. Oui, okay, non, je serai pas là demain, Real King. Il ouais, y a les 3 heures de spa demain, mais c'est du BGDC, je crois, je sais plus. Comment je peux... Bah oui. Parce que moi, j'ai vu des photos du BGDC, t'es sûr? On peut pas rouler? Pourquoi je peux pas aller en piste? Faut attendre que les autres aient accepté. Oh là là, mec. Allez, c'est parti. Oh là, ça va être très très vite déclenché. Je pensais qu'on était au moins avant la chicane Villeneuve. Et c'est raté dès le premier freinage. Ouais, mais on est lâché très très tard, je trouve. Hein. Je pensais qu'on allait être lâché dans la ligne droite avant la chicane des champions. Là. Enfin, la chicane du bienvenu au Québec. Attention, ça lag, Thomas Tognon. Oh là là, je vois une magnifique photo. Thierry Boutsen en F2 à Sport en 1981. Voilà. Oui. Un an plus tard, Thierry Tassin se défonçait en Formule 2 dans le Raidillon avec sa voiture. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une Redman. Je suis américain ? Pardon. Meilleur jeu de simulation PC. Iris. Les gars. On est d'accord. Oui, Iris. 2 heures de vlog de friteuse, je vise les deux vues. Ouais, je pense que ça devrait être à peu près le maximum. Non, mais par contre, ce qui est horrible, c'est qu'on n'aura pas de... On n'aura pas de Wi-Fi sur le circuit, donc on va pas pouvoir vous le faire. Attends, c'est pas encore. Bah, c'est la pas fibre si est en train d'être installée, mais à mon avis, ouais. Nathalie, elle aura pas fini de mettre les câbles pour fin juillet, à mon avis. Hein. Ouais. Ça pour le Grand Prix, hein. Alors, faut espérer. Mais... Alors, je vous dis, si on a le Wi-Fi sur le circuit, alors là, suivez-moi sur Twitter, hein, parce qu'il va y avoir de l'info. Hein. Oula, Douane, je vais te bannir. C'est le mec, ce grenouille qui prend la Ferrari. Je vais te bannir. Mais Douane, écoute, j'ai... Regarde, Hydro, il prend une Mercedes, merde. Moi, je me suis mis large. J'ai pris une Manor. Alors qu'on propose de faire un barbecue chez quelqu'un, j'ai lu. Ah. Tu peux venir le faire chez moi, ton barbecue. J'habite à Québec. Et tu fais, eh bien non. Ah bah si vous êtes du côté de Spa pendant les 24 heures, quoi, que vous voulez qu'on se voit ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook en message privé. Hein. Ouais, moi j'aurai un t-shirt Max ou le pilote. Et boum. si vous payez les binous, c'est avec plaisir. Moi je serai habillé, de toute façon, ça déjà ça. Moi je suis pas encore... Parce que visiblement nu c'est écœurant pour certains, lol. Ouh, je vais faire ce que j'avais dit, le mettre sur mon sac pour que les gens puissent voir de loin. Enfin, je sais pas, je vais trouver une astuce. Alors, You, je suis tout à fait d'accord avec YouGXD qui dit c'est ouf à quel point tu coupes le circuit sans aucun avertissement, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, je tiens à dire que le temps relativement maussade sur le Cotentin que nous avons actuellement... Oh mais merde, c'est pas du tout de ma faute, j'étais pas du tout au courant. Mais les petites connexions... La Creuse. Voilà, bah, les gens de la Creuse et du Cotentin repasseront. On va essayer de pas prendre de drive-thru. Il y a eu de l'hésitation chez certains. Oh là là, ça rame. Oh là là, Hydro qui est en grosse difficulté. Ah là là, ça ne freine pas. Il y a des fans d'Alex Vizorek avec tant de ivre. Ah bah oui. Eh bah oui, illégal overtake, lol. C'est une blague. Bah, va falloir me doubler, sinon je vais vite m'énerver. Hein. Ah. Voilà. Mais Sainz, mais dégage! Ah, le remake, évidemment, le roleplay.
Alors, évidemment, ne réglez pas votre live au niveau de la luminosité. Ne mettez pas un plus 5 ou un plus 10. Hein. Votre écran va très bien. C'est juste qu'il fait nuit. Tout simplement, parce qu'on est essai libre en Malaisie. Il fait noir, hein, effectivement. Donc, le jeu va bien, ne vous inquiétez pas. En plus, avec mon t-shirt blanc, ça fait un joli contraste. C'est faux, Apple Addict, il fait beau en Belgique. Ah oui, là, il fait beau, je sais pas, mais il fait chaud. En tout cas, on attend l'orage depuis un mois. Cette météo belge, la pluie et la canicule en 20 minutes, c'est exactement ça. Ouais. Ah, on dit toujours en Belgique, il fait les 4... À Spa, il peut faire les 4 saisons en une fois. Hein. Ah, Spa, oui. Bah, la dernière fois, je me rappellerai, hein, quand j'étais en safety car, je vais voir le directeur de course et je lui dis, demain, il pleut. Eh ben non, ça a pas loupé. Hashtag Andy Le Sel, évidemment, on reprend les bonnes habitudes. Bah, évidemment, c'est... Lui, c'est la marque de fabrique, donc moi... Ah, hein. Drapeau jaune et j'ai Hydro devant moi. Aïe, 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 terrible. J'aimerais tellement faire une carrière comme sur F1 2017 avec Hydro. C'est balancé. Merci pour les potes. Attends, J'ai pas assez d'abonnés, c'est ça? Bah attends, on a essayé avec Emery qui a fait... écoute, c'est chaud. Hein, quoi? Comment? J'ai pas suivi. On avait essayé la coop sur F1 2016, puis après on s'est dit bon, on va arrêter. Ah, quoi. Bon, je suis tellement nul que... Mais si Hydro est chaud, c'est avec plaisir que je l'invite, s'il veut qu'on se fasse une saison sur F1 2017. J'oblige à rien, hein, je veux pas le foutre dans la merde. Hein, mais. Ça sera plus beau qu'avec moi, c'est clair. Non, mais y a pas les flashbacks, lol. Je suis totalement nul. Ah oui, bah là, du coup, il y aura pas les flashbacks. Même si c'est des grands prix de 5 tours ou un quart d'heure, mais ça peut être fun. Puis on pourra en face parler, lol. Les alors cochons, que ça coupe à foison. Ah. Les cochons, ils ont commencé une des abonnés sans prévenir. C'est qui dit ça? Raph Baouz. T'as quelqu'un qui dit, mais ça fait 3 heures qu'ils ont commencé. On était 3 wide à l'épingle. Putain, mais c'est... Oh, c'est drapeau jaune, incroyable. Ah, à l'autre doigt cassé. Oui, alors j'ai un problème, ma pédale de frein n'a pas fonctionné. Je suis parti tout droit, lol. Alors, je vais essayer de te répondre les jeux de Falcon. Il fallait regarder sur Stevie. Alors j'ai eu 2 secondes de pénalité, mais je voulais surtout éviter Lolo parce que j'ai failli lui rentrer dedans. Et hashtag Andy la crème des crèmes. Merci Doan, tu es magnifique. Moi, je vois Maxou, le pilote, fait Hydro, la carrière est faite. C'est pas une mauvaise idée. Ah, peut-être pas une carrière, mais une saison coop, ouais. Avec plaisir. Puisque je le dirai toujours, les youtubeurs qu'on considère comme petits, hein, parce que je sais pas, il doit avoir, il y a plus de 2000 maintenant Hydro, mais. Les petits youtubeurs à notre échelle, un mec comme ça, ce qu'il propose comme boulot, vous vous rendez pas compte, peut-être, mais. C'est peut-être con ce que je dis, mais vous vous rendez pas compte du détail de ce qu'il fait en montage. Et comment il arrive déjà à pas se faire striker par la FOM, c'est déjà un miracle. Et deuxièmement, ce qu'il arrive à faire sur ses montages. Et putain, il sait de quoi il parle, quoi. Juste j'ai ça, quoi. Un petit gros champ, je dirais juste ça. Non mais je ressens pas du tout les freins. Je viens de me faire dépasser, non mais lol. Ah bah y en a beaucoup pour qui l'épingle et c'est compliqué, moi c'est pareil. Hein. Ah mais... Andy salade tomate oignon. Le hashtag Andy Sell va faire TT France. Faut faire sur Twitter comme ça. Andy casse son pédalier en plein live, prank, explication. Mais c'est fou cette mode des pranks et ça marche toujours alors c'est... En plus c'est tellement mal vu. Ce burger, pardon. Ah, va falloir ressortir le compteur de rage pour Andy, me dit-on. Ah mais là, de toute façon... Il en a déjà eu un ? Je vais lui en... non, mais je crois que je vais lui envoyer un... Comment ? Une peluche, vous savez qu'on gagnait la foire avec les grandes baleines. Et non, dedans, je vais la vider, je vais mettre du sel. Je me soigne, hein. Je me suis acheté un ukulélé, je fais de la méditation. Tu joues le Final Countdown au réveil. Hashtag Emric Kebab. Ah oui, c'est pas faux. Non mais Emric, il est là. Emric, c'est le pote qui à 2h du matin, toi t'es chez toi le 25-30 du mois. Tu viens de te faire des pâtes aux pâtes pour changer des pâtes aux pâtes de la veille. Tu vois, tu fais des tagliatelles au lieu de faire... tu fais des spaghettis au lieu de faire des capellini, tu vois, histoire de varier un peu. Et lui, il te fait petit kebab ou petit KFC à 50 balles. Et toi, tu le regardes à 2h du matin et tu suces ton téléphone, tu fais... Tu n'en peux plus, quoi. Tu lui dis, mais tu peux choper un kebab à 5h du matin.
Non mais je l'ai depuis un petit moment. Enfin je l'ai depuis... Oui, on a été le chercher à 22h, je l'ai mis au micro-ondes, voilà. Au calme. Non, c'est que j'en prends deux. Toujours voilà, c'est ça que tu dis. Manger sur place et un après. Et le tu mec dis, est comme as, hein. T'as réussi à attendre, 22h pour manger ton kebab. Non, non, moi j'en ai pris deux, hein. Et toi t'es là, tu passes devant une baraque à frites, tu respires, tu prends 2 kilos. Dieu n'a pas fait les hommes égaux. En tout cas pas pour l'estomac avec moi, ça c'est clair. Ouais, on est deux. Le dernier tour, incroyable, drapeau jaune. Je ferais bien un skin. Il y a un skin avec le sponsor, le sel, tu sais. Toute la voiture recouverte du sponsor, le sel, la baleine. Oh là là, avec la poudre blanche sur le... Oh, pourquoi de la poudre? Oh là, my god. Ah bah la YouTube monnaie, hein. La bonne. Je croyais que les dons, c'est pourquoi. Attends. Ah, alors qu'il ne manque plus que 4 abonnés. Allez, messieurs, 18 000, c'est pour bientôt. Messieurs, dames. J'ai faim maintenant. Oui, messieurs, dames, excusez-moi. Ah bah bravo, Nils, j'ai faim maintenant. C'est ce que j'ai vu. Ah, ah la Ferrari elle est bien, hein. Vivement l'année prochaine, hein. Oups. Je peux très bien parler de sport mécanique que de bouffe, hein, y'a pas de soucis moi. Ah mais le mec Allez-y. C'est un patron de PMU. Non mais c'est ça, hein. Mais qu'est-ce que je vous sers, lol. Dis donc José. Alors que Vettel souffre encore avec avec Massa, lol. Oh bah, est-ce si que je vais pas faire le coup du chapeau et rouler. Prends les gens pour des cons. La même banque. Si vous voulez faire le skin Andy Wheeler le sel, faites-vous plaisir. Oh, et 2 secondes de pénalité, ce qui fait que je vais donc bien terminer 9 ou 10ème. Je roulerai avec. Ah, est-ce que je suis 8ème? Ah, et c'est pas mal, ça, la baleine du croc est cérébro. Sans la voiture, ça peut être beau. J'ai bien envie d'attaquer maintenant d'ailleurs le skin. Andy Wheeler est fier d'apporter ses sponsors live avec la baleine, Ducro et Cerebo. Et voilà, Manor Racing qui va aller rapporter un point. Ouais. Et 300 000 de frais en carrosserie évidemment. On a essayé tout à l'heure, ça allait pas trop, donc on va recommencer après. Aceto n'est pas encore passé, Raph, non. Vous m'entendez ou pas quand je parle? Parce que ça fait deux fois que Max y dit la même chose. C'est peut-être parce que je fais pas forcément attention en fait. Que je qu'on s'en balèque. Allez, c'est parti. Je me jette par la tête. Allez, salut. Ça tourne mal. À l'arrivée de Maxime Monet qui tweet des choses incroyables. Ah. Voilà, voilà. Bonsoir ouais, Maxou, je viens de voir Transformers 5 en avant-première et c'est une vraie déception, pire que le 4. Ah, c'est donc possible. Ah non. Je vous demande de faire des captures d'écran pour les quatre pénalités de Maxou, les deux d'Hydro. Oh là là, mais il m'a dit qu'il avait tiré tout droit sur le chat. Ah, il est derrière moi, la salaison. Et une fois de plus, je pèse dans le game, hein, évidemment. Les cinq pénalités du pilote derrière vous, Angor, et d'autres moult pénalités. Voilà. Bon, voilà. Bon. Un petit don à notifier. Merci à Kevin pour sa très généreuse donation qui nous a dit « Nouveau sur ta chaîne, mais excellent taf. Dans combien de temps pourra-t-on t'entendre aux côtés de Gaëtan Vigneron ?» Ah, ce serait tellement. Bah écoutez, quand Stéphane m'aura laissé sa chaise dans la cabine, hein, mais bon, on verra bien. Et du coup, grâce à toi, merci, encore 3 abonnés et il dépasse la barre des 18 000. J'ai l'impression d'être un vendeur de tapis quand j'entends ça, ça me rend dingue. Alors, je vais pas vous mentir les enfants, je suis un petit peu pris entre deux feux. Parce que d'un côté, je vois que la grille est assez ouf sur F1 2016 et j'ai pas trop envie d'arrêter, pour pas vous mentir. Donc, est-ce qu'à la limite, on ferait pas genre une dernière course sur Spa, histoire de foutre bien le sel à Zoltan qui attend depuis 20 minutes Est-ce que vous voulez... Alors, attention, je demande l'avis au chat. Pardon. Il y a quelqu'un qui dit Maxou, regarde ton Twitter, Andy aussi, donc je sais pas. Ouais, c'est Ah, Solitaris, oui, qui nous fait Solitaris. Des screens depuis tout à l'heure avec Hydro en PLS, qui doit d'ailleurs l'apprécier tout ça. Réagissez sur le Twitter, at Maxou le pilote, évidemment. Hydro qui tweet, je vous retiens, tous vos petits noms, je les garde, bande d'enfoirés. Effectivement, ah, Andy Wheeler, la salière. Alors Jessica, la gameuse, qui n'est toujours pas avec nous malheureusement, qui n'a pas de PC, qui nous promet de venir jouer, mais qui n'est toujours pas venue. Voilà. Et on en profitera pour... Voilà.
Je n'irai pas plus loin. Il y a l'analyste, il y a l'analyste sur Twitter qui fait « J'ai beau chercher, je ne vois pas Hydro, mais je vois très bien Maxou le pilote. » ça réclame du Spa. Hein. Allez, on va en faire une dernière à Spa. Bon, il a déjà mis Spa, c'est magnifique. Alors, si on va à Spa-Francorchamps... Ah, Maxou, si tu veux pas payer pour rentrer aux 24 heures, il faut venir à l'arrivée. Hein, bah, ah oui, à l'arrivée, ils ouvrent les portes et tout le monde peut rentrer. Mais en même temps, à l'arrivée, t'es un petit c'est peu, fini t'es un petit peu de terre, quoi. Je vais prendre une as parce que kiss my ass. Alors, on demande de la course sur le sec qu'on puisse avoir de la bataille, de Tronti. Alors, évidemment, Andy va se charger de tout ça. Hydrologie. Ne mettez pas sur le sec. Spa est déjà sur le sec, tout est bon. Ah, ok, formidable. Eh bien, écoutez, on est 13. Est-ce qu'éventuellement, il y a encore des gens qui savent rentrer? Hydro est toujours là. Oui, Barry Kimi, je vois aussi. Sweeney aussi. Je vois qu'il y a à peu près tout le monde qui est là depuis le début. On va en faire une dernière et après, on fait une petite pause de 5 minutes. Le temps de boire un coup. Sur le Discord, je viens de voir un pseudo qui déchire. C'est Jean Flantier, pour ceux qui connaissent l'inquiétéracide. Flantier! Du coup, bonsoir à toi. Ça va, mon vieux? Mais Flantier, c'est pas OSS117 aussi? Oula, c'est trop pour moi, ça. On veut du sec, avec un C, bien sûr. Maxou, toujours dans la finesse, sans second sens. Effectivement, madame me le dit souvent. Maxou, est-ce que tu viens au Grand Prix de France? Alors, Marion, peut-être, si ça s'organise avec quelqu'un qui habiterait encore là-bas à cette époque-là, mais ça me semble difficile, vu qu'il va arriver dans les 3 mois. Alors, on en a Romain Dumas, lol. Ah bah oui. Alors, je tiens à dire en live que Hydro est une personne extrêmement méchante. Pourquoi? Parce que Hydro vient de mettre sur son Twitter « Je suis tranquille, il reste Andy Wheeler pour finir loin derrière moi. » Voilà, voilà. Ah putain. Alors que le tuning passe en bas de chez moi, c'est magnifique. Est-ce que t'aurais pas un certain geek qui passe en faisant « Ounce, 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 ounce. » Voilà, les private jokes. Oui, ça c'est une private joke, on peut pas balancer, désolé. Voilà, il y aura une rediffusion. Oui, Mathieu. Bon, n'hésitez pas à lancer sur le chat « Ban Hydro » et... Ah oui, non. Brancardier. Flantier. Tiens, voilà une lettre, tu la donneras à Jacques. Et à ta femme, tu donnes rien. Non, elle m'a saoulé, lol. La mère à cup, bien c'est sûr. C'est Noël Flantier dans OSS 117, merci Hervé, effectivement. Ça vous dit quelque chose, la Lamera Cup? Ouais. Bien sûr. Puis les pilotes sous licence aussi. C'est très bien la Lamera Cup. Ils ont un très bon choix dans les pilotes. Pour info, je parlerai pour moi. J'étais dans la voiture, la Volvo, avec les gyrophares écrit safety car dessus. Mec. À quoi? Je suis fier. Alors, à quoi sert le DeviantArt? Bah, à mettre des screens. Il y a pas lieu d'en jouer. L'art Deviant. Tellement de ban Hydro sur le chat. Oh, ce sel incroyable. Vous me mettrez un rédillon avec supplément sel, s'il vous plaît. Sans oignon. N'hésitez pas à un hashtag rédillon avec du sel et sans oignon. Oh. Ou la montée des combes, lol. Le fameux sans oignon, c'est pas encore. Moi, je l'ai vécu. Je viens de voir ta sortie en réunion. Ah bah si vous aviez le son à ce moment là, je vous invite à faire un clip Twitter, puisqu'on ne peut pas encore faire de clip sur YouTube, c'est pas comme Twitch. Mais le clip du... Alors je disais que... Ah oh, je suis nulle part. Bien du Discord, alors je vais essayer de le filer. C'est à peu près les mêmes réactions quand Maxou va partir en live sur YouTube et qu'à 2 minutes du live ça ne marche pas. Ah putain, ça marche pas! Si vous saviez. En ce moment, la dernière fois que je suis venu en étant extrêmement salé rejoindre les deux loustiques sur le Discord, c'était après une course face à Race Room, face à l'IA en Formule 2, où on a oublié de me compter mes points. Et où j'ai dû recommencer 7 fois au départ parce que le jeu plantait pour une raison inconnue. L'IA se plantait, ne freinait pas. D'ailleurs, la vidéo est sortie cet après-midi. C'est un bon souvenir. Oh la vache. Oh
en la quatrième. Ah bah évidemment, il a raison. Sian Goss qui fait, bah oui Maxou, quand on fait de l'huile sur le raidillon, ça glisse. Quand on fait des frites. Oh joli. Et vous pouvez voir du coup les deux bolos hein, en fond de gris, 11e et 12e. Oh là là. Tellement salty. On les appelle Tic et Tac. Et style better, Denver, Denver Stappen. Après quand même. Zoltan, ça va venir après. D'ailleurs n'hésitez pas à un hashtag Tic et Tac. Ah salut à ACFL Modding. Ce que j'allais dire, on parlait du loup, salut à toi. D'ailleurs, vous aurez bientôt droit à un nouvel onboard avec la dernière version d'ACFL. Il m'a envoyé une version il y a 2-3 jours du mode 2017, mais il l'a remise à jour. Il est en train de bosser, je crois. Ah, Hydro qui s'est crash, bienvenue au club. Elle a été disqualifiée, incroyable. J'ai vu les photos, joli. Il fait un boulot de tapé. Ah, c'est normal qu'on le paye. Hein. J'ai testé, moi. L'emoji baleine, il est beau. Hashtag, j'ai pas les sous. L'emoji baleine. Ah l'emoji baleine, il est magnifique de Douane. Il est dedans, putain, je l'ai pas vu. C'est Douane qui nous a partagé ça. Attention, les départs du Grand Prix de Spa, je rappelle que j'ai une as. Plus gros lâchage d'embrayage de l'humanité, tout le monde va plonger à la corde. Ça touche, je l'ai perdu. Aïe aïe, dribble. Dépassement illégal, non mais. Ah, toutes ces salières, ça me. Ah, j'aime bien. Alors, ça, c'est bien. J'avais une pénalité pour dépassement illégal. J'ai ralenti. Au moment où les pilotes devaient me rattraper derrière, se sont crashés dans le réunion, la pénalité a disparu. LOL! Ah, c'est sorti! C'est fait qui. Qui te dit. Enculé d'Hydro! Ah, on en est là! Hydro qui a coupé, la chicane pour se mettre à ma hauteur et me déglinguer. Ah, ça a planté, je pense, Max. Quoi, le live a planté? Bah, je revois le départ, du coup. Attends, je refais un refresh pour voir. C'est Emery qui me met des angoisses. Non, bah, dès que je relance, ça revient au départ. Donc. Ah, j'ai entendu dans mon casque take him out, donc. Alors, est-ce que. Parti. Chez moi, je suis toujours en live, j'ai pas de drop. Ah, ça y est, c'est revenu, c'est bon. Oh, une brique. Ça, ah, c'est vrai, j'ai revu deux fois le départ. Mais non, pas de problème, c'est ta fibre qui nous a lâché. Oh, toutes ces baleines sur toutes ce live. Toutes ces baleines sont. Oh, ah, ça va être l'emoji des lives maintenant. Merci à tous, mais je vous aime à tous un par un. Et du coup, je disais à la ACFL Modi qui disait tu sais où te trouver. Bon, bah sur iRacing, on lancera la team baleine. Hein. Ah. Le BRT, la baleine racing team. Et du coup, Hydro qui va en faire un tour en 1 minute 5. Ah, tu vois, il y a des gens qui disent ça frise pas mal ton live. Sérieux? Live bug, tu vois. Ah, je ne suis pas fou! Ah, nein! C'est revenu. Oh putain, je regardais le chat, désolé. Emric, est-ce que tu peux bannir le mec juste au-dessus de tes manos? Quelqu'un, s'il vous plaît. Bannir, hein. Ah oui. Sans citer. Merci. Alors que je suis rentré dans la pit lane endurance. Ça part sur un banc. Je suis tellement au fond du trou. C'est ouf. Mais quel. Ouais, si ça bug, faites un F5, hein. Ouais, j'allais dire. Ouais. C'est le départ qui a bugué, voilà, désolé. Ouais, pour les fans de catch, n'hésitez pas à faire un F5, voilà. C'est tout pour moi. You can see me. Alors que je dépasse le drapeau jaune, Charlie Whiting me laisse la priorité. Joli dans la descente. Salty whale. Je sais pas qui a écrit ça, mais je t'aime. Kiki la frite. Ouais. Ça vient de leur connexion, personnellement super qualité. Hop. Mais Rio Arianto, mais la nulance. Frappe. Putain. ODP. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah, la course de trop, mon iRating.
Ah, le syndrome de la course de trop. Maxime menait F5, je croyais que c'était de la F1. j'ai cru long, qu'est-ce que ça se passe? Ah, d'accord, ça fait du... Ça fait du... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo du gamin. Avec le kart. Le gamin qui passe à l'île d'arrivée d'une piste de kart en tournant en toupie. Oui, oui, oui. Ah, c'est moi qui vous l'ai envoyé, non? Ah oui, c'est toi. Elle est magnifique. Elle vaut de l'or. Quand je servirai, quand je serai, je me servirai de Twitter, je partagerai dessus. Parce qu'il est sur Twitter, c'est... il a fermé son MySpace et son Skyblog avant-hier. Je sais, je tape à deux doigts, c'est clac, 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 clac. Oh là là. Ah, alors qu'une manœuvre est arrêtée en plein milieu de la courbe du Rédion. Oh putain. C'est donc Rio Arrianto, vu que j'ai l'autre manœuvre. Mais j'ai un gros problème, alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que j'ai eu des dégâts. Mais merci Jeff pour l'update de la course. Je n'ai pas réussi aucun... J'ai réussi aucun de mes raidillons depuis le début de la course. Je suis en survirage partout, on dirait qu'il pleut en fait. Il doit y avoir un bug. Sur F1 2016 en multi, non. Ah oui, d'accord. Alors c'est un bug, ça peut pas être... À Lolo, quand il attaque, il attaque. Putain, Verstappen, il m'en veut. Hein. Moi qui t'ai tant aimé, Max. Moi qui, suis allé visiter ta boutique. Il a pas mal de monde qui l'a vu, hein, la vidéo que tu parlais. Avec le gamin qui passe en mode... Ah oui, c'est aussi magnifique ça. Bon, allez. Alors je tiens à dire à toutes les personnes qui sont derrière moi que s'il y a une seule personne qui tente de me dépasser, ça sera Astaban. Attention. Je relève les pseudos. Ah mais c'est bon, je l'ai relevé, le Renault Racing Team, attention. Ah, il sera banni de Snapchat également. Alors que tout de même, l'information BFM TV, c'est Hydro en tête. Hein. Ouais, Hydro qui a coupé 14 virages pour Hydro en pour tête, mais avec tête. 117 minutes de pénalité. Ah, ça relague apparemment. Ouais, ah bah non, ça revient. Ça, ouais. Bah, je crois que c'est le Redillon qui fait laguer. Je tiens à dire que tu prends des risques derrière, tu prends des risques. Il prend la spi. C'est ça qu'on met de l'huile déjà. Non mais warning, exit, track limit, mais est-ce que ce monde est sérieux? Comme dirait Francis. Est-ce que ce monde est sérieux? Ah, ça rebug. Ouais, ça, hop, ça repop, c'est revenu en live. Est-ce que ce serait les serveurs de chez XSplit que je paye 10 balles par mois? Non. Surtout que Hydro a dit que si il finissait devant moi, je devais désactiver. Ah. Je ne vous entends pas. À vous les studios. Je désactiverai mon MySpace moi aussi. Pourtant j'y tiens, c'est dommage. Retour du lag. Ah oui, quand même. Ouais, faut refaire F5, ouais, à chaque fois. Ça va faire fuir les sponsors. Ouais, mais je viens de recevoir un SMS de la baleine, ils sont pas contents. Ça, c'est vrai, ta mère a toujours ton numéro? Oh l'enculé. Ok, il sait que c'est de la vanne, il sait que c'est de la vanne, je suis pas le dernier des enfoirés. Il l'a désactivé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, il y a un décalage. Et ce que vous voyez affiché, j'en ai plus chez moi. Il y a toujours un décalage de 5-10 personnes entre le moment où vous êtes en affiché sur YouTube et ce que j'ai, moi, dans les analytiques. D'ailleurs... Parlons-en de l'analytique YouTube qui se met à jour sur 4. D'ailleurs, n'hésitez pas, le hashtag rend l'argent. Ce serait rigolo. C'est comme plagier à Squeezie. Hein. Il est rigolo. Ah oui, ça m'a fait extrêmement rire. Quoi ? Il y a de la friture sur la co, effectivement, c'est bizarre ça. Je vais voir si j'ai des drop de base ou pas. Il y a de la friture sur la co, elle est jolie celle-là. On est quand même en train de se battre face à des IA en médium. Hein. Je n'ai plus de respect. Aïe. Voilà, vous savez tous les. Vous savez le dessous du YouTube game, en réalité Maxou joue en facile dans sa carrière. Et je triche parce que visiblement le gars contre qui je me bats. Je suis désolé. Reviens là, mon podium. JPP. Il me laisse repasser. Oh, c'est gentil. Tu peux citer son pseudo du coup. Hein. Ah bah il s'appelle Ericsson, lol. Ah. Oh putain.
Ah oui, c'est vrai, je passe par les serveurs YouTube, effectivement. Hashtag. Et les 18K sont visiblement officiels sur la chaîne. Voilà. Et moi, si je peux passer les 500 abos aujourd'hui. Mais mec. Ah, mec, non, mais sérieux, t'es pas top. Non, bravo. On bannit des gens sur le chat pour moins que ça. Hein. Non, bah, n'hésitez pas à aller sur le chat, 18 000. C'est beau, quoi. Allez le mettre sur Twitter, lol. C'est beau. Du coup, on fait quoi pour fêter ça, une FAQ, lol? Non, je déconne. Prochaine vidéo sera pour les 20K, pas avant. Non, vas-y, passe. Ah, mais... Non, mais tu t'es cru avec Eddie ou quoi? Et on se laisse pas passer ici. Mais, je voulais lui laisser la troisième place, il a freiné. Oh là là, incroyable. Cet homme est magnifique. Je te suivrai sur Twitter. Andy, la prochaine fois, une vidéo FAQ, c'est pour les deux. Pas les deux cas, hein, les deux. Pour les deux abonnés. Je vais faire une FAQ deux abonnés, alors maman, si t'as des questions, n'hésite pas. Oui, il a raison, Sky WT. Il y a aussi le rire de la baleine. Ah oui. Le rire de la baleine. Ah bah t'as pas entendu rigoler Andy. Ah, plusieurs fois. Mais Andy le gratteux, Emmerich la grosse. Mais non, mais c'est pas moi qui demande des abonnés, c'est Andy. Ouais, putain, Emmerich, c'est pas cool quand même. Moi je n'ai pas de YouTube, j'ai rien, moi, arrête. Et bien voilà, bravo à Hydro pour sa deuxième place. En vrai, GG, il partait 12ème. Fallait le faire. GG Andy attends, qui partait 4ème. Et bah, THM qui a gagné, bravo. Et Hydro qui a pas pris de pénalité, il a coupé partout MDR. Oh my god. 18K et devant les deux Belges. Incroyable, dit. Tu peux pas supprimer ton truc, Andy, t'as de la chance. Ah oui. Non, mais je les connais. Andy, tu sais ce qu'il te reste à faire, nous dit Hydro. Il me reste à t'attaquer en justice pour un coupage dans tous les virages. Ouais, pas pour plagiat, parce que moi j'en peux plus, perso. Ainsi qu'attaque incroyable et totalement dégueulasse. De type dégueulasse. Il y a Valentin en dessous qui met un commentaire intéressant. Maxou, celui qui l'accompagne, si vous venez en voiture pour les 24 ans, ne payez pas 20 boules pour le parking, je demanderai à ma famille pour faire parking gratos pour vous. Envoie-moi un message sur Facebook, sur la page Facebook Maxou le pilote, tu me contactes et je te réponds ce soir, promis. Merci c'est beaucoup. C'est très gentil. Comme on bouge pas mal, faut pas déranger ta famille non plus, donc c'est très gentil. Alors que si vous avez entendu le monstre qui vit dans mon estomac. Ah. Non. C'est mon petit frère. Bon, du coup, bon Hydro, là... maintenant tu viens sur une vraie simulation ou tu continues à jouer à la F1? Du coup on file F1 2016. Eh oui. Ah, Hydro qui veut venir sur le Discord. Mais si tu es sur la salle d'attente, on peut t'y mettre, hein. Ah, comme par hasard il pleut pas, Hydro conduit mieux. Effectivement, Scorpio qui a vu juste. Bon allez. Il fait une chaleur de trou de... Alors, On va quand même voir si Hydro peut s'incruster. Si Hydro vient sur le Discord, on va le rejoindre. Enfin, il va le rejoindre plutôt, lol. Alors que oui, il y a demande approbation globale. Approbation globale d'Hydro sur le Discord. Ah, voilà, Hydro est là. Attendez. Ah, il s'appelle Hydro. Oh putain, ouais, d'accord. Emmerich qui balance les pseudos privés. Non, bah non, c'est sûr. Non, parce qu'à un moment donné... Alors, on mute son micro? On n'est pas sous la pluie? On fait une solitaris? Non, je déconne. Parce que c'est bien beau de vouloir un droit de réponse et un droit de parole, mais à un moment donné, faut avoir les coronesses de venir parler aussi. Ouais, et couper les virages dans tous les sens. Ah, hein, et c'est le quittage. Oh, le rush kit. Incroyable, ah, le boulet. Hashtag Hydro, le rush kit. Ah. Évidemment, il s'est connecté maintenant avec le bon compte. On l'a switché parce qu'on n'est quand même pas des salauds. Tellement de hype sur le chat, on a pris 200 viewers pour Hydro qui vient en vocal pour la première fois. J'y suis. Ah ouais, bah, faut démute. Il faut démute le micro, Hydro. Incroyable. La connexion 56K. Ah bah non. Ah, et... C'est le bouton à côté. Il a tout muté, ça y est. C'est ça.
Ça, c'est le... Il a arraché le... le... Merde, le casque, en fait. Le... C'est les dessous du YouTube game, en fait. Personne ne se parle. On est tous ennemis. Ah, bah non. Il avait des mutes, mais visiblement, il y a... Alors, vous voyez pas, mais nous, on voit popper le micro, le casque, le micro. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir Michel Pollack pour le droit de réponse d'Hydro? T'as Mickaël qui te dit félicitations. Merci Mickaël. Alors, j'ai peut-être pas de micro, mais je t'entends. Hein. Ah! Alors que l'analytique YouTube est tombée. Attends, je viens de voir autre chose. Je viens de voir une date d'anniversaire. Ah. Fake ou pas fake? Hydro va insulter les trois quand il va parler. Mais non, mais... Mais Hydro, à un moment donné, tu freines le live. Je vais finir par croire que c'est une trahison pour nous freiner face à la concurrence. C'est une mutinerie. Merde. Si tu as coupé tous les virages, Hydro ne dit rien. Voilà, vous avez une preuve. Voilà. Alors là, techniquement, il est démute. Techniquement. Il est remute. Il n'ose pas, il est timide. Comment tu t'appelles? Ta maman est dans la salle? Avec la grande caméra, c'est ton papa? Je fais très mal, Jacques Martin, c'est atroce. Je peux pas écrire en privé ici, merde. Je reçois les messages qu'on voit sur Steam, hein, donc... My God. Bon, écoutez, je crains qu'Hydro ne soit pas dans les... Ah, salut Unity Spitfire qui m'a donné quelques super conseils sur iRacing. Hydro, le malaise. Je le re-switch à chaque fois, si ça se trouve, il doit attendre pour pouvoir y arriver. Hydro, branche le micro, bah oui. Comme quoi, le youtubeur, hein, c'est un métier, hein. C'est pas si simple. Hein. Il suffit pas d'avoir des idées. C'est fort un micro. On est d'accord, j'ai un volume à 165. Pour Hydro. Dis-lui de paramétrer son micro dans le Discord, dans l'engrenage. Ah oui! Alors, Hydro, comment ça marche, mon cher Hydro? Eh bien, c'est simple, tu vas dans l'engrenage à côté du chat. Il suffit de cocher ton micro sélectionné. Eh oui, Hydro, c'est magique! Et là... Le micro fonctionne! Ah, Hydro sur 20, voilà. Sifflement dans les oreilles sur 20, MDR. Ouais, hashtag... Olivier Panis. Hashtag siflouti. Oh, Hydro qui est aussi loin à se connecter que sur Discord, que sur la piste, effectivement. Hydro a cassé son micro. Ah, mais ça, c'est à force de sauter sur les vibreurs. Hein. Alors que Geeks est revenu au cas où, on sait jamais. Si je peux passer en live. Allez, Hydro, sois pas timide. Sous temps de chargement, Hydro qui nous a fait un magnifique fuck this, anyway, j'irai ce room, mais j'ai juste le jeu de base. Eh bien, dommage. Bon, vous savez quoi? Avant qu'il y en ait un qui se rende compte que quand on est 4, il peut venir se joindre à nous, on va remettre un 3. Allez, salut. Et donc, Hydro qui aura droit à une réponse sur Twitter, évidemment. Évidemment. C'est pas sorcier par Maxou, effectivement, à chaque jeu. Pourquoi Hydro prend si cher? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à connecter simplement son micro, hein, vous savez. Il débute dans YouTube, hein, donc voilà. Il y a un énorme Geeks Help qui vient de tomber. Dès qu'il va parler, Maxou va perdre ses oreilles. Oui, bon, écoute. Eh bien, l'hydrocution, voilà. Eh bien, c'est sur cette blague de très bon goût qu'on va marquer une pause de 5 petites minutes. On va aller chercher un petit peu de liquide rafraîchissant. Alors que Geeks qui veut un coup de main, Hydro qui demande un coup de main à Geeks et Geeks dit achète-moi un PC et c'est bon, j'arrive. Lol, merci pour l'humour évidemment. Pendant la petite pause, si vous souhaitez, vous pouvez évidemment retrouver dans la description pas mal d'informations, notamment mes petits camarades, etc. Et surtout, si vous voulez faire un petit don sur PayPal, le lien va vous être passé par Andy, je pense, sur le chat. Voilà, c'est fait et n'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez nous.
Hydronado, effectivement. ça vanne là-haut sur le chat. Bon, écoutez, on va faire une petite pause. On se retrouve dans 5 petites minutes et on sera donc sur Race Room. Donc, démarrer Race Room. On va essayer de faire du contenu assez classique. On lit des choses absolument horribles sur ce Discord. Vous n'avez pas idée. On va couper le son de mes petits camarades. Voilà. Et on se retrouve dans quelques secondes. Donc, 5 petites minutes de pause. Retrouvez-nous. Et donc, dans. Ah, il a trouvé. Ah, incroyable. Il aurait trouvé. Alors, attention, j'ai trouvé. Alors que je viens de faire ma pub. Comment on a été banni ? Oh là là. Ah mais c'est. Oh là là. Hey. C'est tellement moche. Attention, attention. L'angoisse est là. Ah. Ah le running gag, hein, hydro absent. C'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. J'ai l'impression d'être au boulot un premier jour de formation du mec qui bosse au call center. Donc là tu décroches, là tu raccroches, là tu. Ah mais. Rien à voir, hein. Mais je vous ai pas dit qui j'ai croisé à Paris cet après-midi. Sérieux, c'est lui ? Mais oui, si je te fais la danse de l'épaule. Oh putain, non. Je te promets, si. Mais tu t'es perdu dans un quartier bizarre ? Mais non, parce qu'en fait, là où je passe, j'ai TF1, Canal+, et ah, tout ça. Yes. Bon bah écoutez, sur cette magnifique anecdote d'Emeric qui a croisé un grand cerveau de ce siècle, nous allons faire une pause et dans quelques instants, Hydro, mais c'est de la merde. Enfin bon voilà, hashtag Jean-Pierre Coff, Hydro Coff. Voilà, bon écoutez, on fait la pause et on se retrouve dans 5 minutes sur Race Room, à tout de suite.